Attention, j'arrive. Ah, je vais faire la blague à Terra, ça va l'énerver. Wall, Ok, Wallé! pardon, oh là, salut mec, Wallé! ça Et j'ai va? décidé de me connecter avec Wankill! Wallé! Ça va les mecs? Ça va, ça va, ça on va et parlait pas de toi? toi. Ok, Non. moi avant de venir sur Discord, j'arrive. Oh là là, il fait des rêves. Petite ref à Wankill. Ce soir c'est Wankill Crazy, hein. Oui. Il se les couilles, Ah c'est pas possible. Il est là depuis 30 secondes, il est fatigué. Je vous Il est gêne? Je vous fatigué. gêne? Bon bah Non j'ai mec, compris. jamais. T'es J'ai bien compris. là. Il a pas téléchargé le jeu, je te le dis direct, va Si? falloir. Eh oh, Attends. moi bon élève, hein. Bon attends, tu sais très bien que j'ai Je suis déjà trop 50 heures reconnu, dessus, hein. César. Moi bon Est-ce que élève. j'avais oublié, César. peut-être. Il me reste 3 minutes. 3 minutes, putain, 3 longues minutes. Ça nous permet 3 au minutes, moins de faire la grosse voilà. annonce que vous attendez tous. Oh non. La big annonce. C'est quoi? La big annonce, c'est que on était les premiers invités au GP Explorer. Mais enfin vraiment, ils Nous nous ont trois. harcelés et tout. Par pitié, ouais, les trois. Par pitié, venez et tout. Mais Terra n'avait pas le permis, du coup on n'a pas pu. Voilà, c'est ça le problème. Non, c'est pas ce qui s'est passé, puisque ceux qui n'ont pas le permis l'ont passé pour une Moi, autre cité. je pense que c'est eux 13 Ouais, ans, hein. donc en fait, Là, ouais, et on du coup, en marche fait, c'est parce que pas. Terra allait, il allait en vacances. Ah, c'est Bon, long, bref, hein. on pouvait pas, ouais. C'est marrant de mettre ça sur faute d'erreur, alors que la vraie raison, c'est que quand ils l'ont proposé, Link a envoyé un message à Bum directement en disant que je peux pas blairer Squeezie. Quoi? C'est Je trouve ça nous a très volé le culotté. créneau, c'est hors de question. C'est très culotté Mais d'essayer de remporter la faute sur moi avec des excuses foireuses. non! Et on avait reçu un mail Mais voilà, moi. pour le GP Explorer? Attends. Sérieusement, vous avez eu la Ouais, proposition du enfin. GP? Bah, je sais plus, moi. Ou Moi, je vous hors ai demandé, vanne? en fait. Mais jamais, jamais, Ah, jamais. mais ça me rassure, ça me rassure. Mais non, Mais si, là. si! La seule... Mais non, tu confonds participer en Oui! tant que Non! spectateur et participer Ah en tant que oui! pilote. Oui, bah moi aussi j'ai eu Oui, c'est l'invite pour être vrai! dans les gradins, hein. Bah Bah ça, oui, je l'ai eu, oh! hein. Attends, Ah bah oui, hein. On l'a tous eu, hein. Et vous n'oubliez C'était pas une de faire un petit proposition. hashtag, hein. C'était une proposition de fou! Et vous voulez pas C'est pas. venir regarder le GP là comme des grosses Vous pouvez pas merdes? être devenu des spectateurs comme des grosses merdes que vous êtes là, vous faites un petit tweet de merde! Ah non, on vous a pas invité, mais par contre, hé les gars, on va regarder des voitures qui tournent. Venez, venez. On va s'amuser là. La seule Ah. raison pour laquelle j'irai tant en spectateur, c'est éventuellement pour jeter des clous sur la piste. Mais sinon, ça Ah ne bah là, ça prend une autre dimension, c'est du meurtre, Un hein. mode content. Ça fera un joli clip, Ouais, tiens. tout le monde aurait adoré voir. Hey, les gens vont voir des courses de stop-car exactement pour ce genre de choses, donc ne mentez pas. Non mais c'est Tout le vrai. monde derrière la course était un peu en mode. J'espère un peu qu'il y aura un petit accident un peu En spectaculaire à vrai, à regarder. quand un Mais il y crash? en a eu Mentez un, hein, pas, je mentez crois, hein. pas. Il était pas spectaculaire. Nous, on veut voir des Mais voitures se léger, non? retourner là. C'est bon, un tête à queue. Nous, on veut Oh voir des putain, streamers on s'en mourir. fout. Le mec, il abuse, hein. Ah. Ah, On les veut petits des clous, trucs par vénères contre. là. Mais oui, on veut des voitures qui volent en l'air là. Ça atterrit dans le public. Il y a 4 morts. Ah non, Ah. Maxime Biaggi est mort. Mais bon, faut Oh, réduire fais tout ça de l'arrière chier. avec sa voiture était pas Bah, mal. au moins, Grimmy gagnera plus de 10% des recettes de l'émission. Et ça fait plaisir. Ça Ah fait bah plaisir. voilà, c'est pour ça, il nous faudrait un petit accident et tout le monde est content. Pour recalculer son salaire à celui-ci. 30 secondes. 30 secondes, bon bah Ah, mais il a j'en ai vraiment oublié presque de télécharger un. le jeu. C'est Ah sérieux, ça. oui, non, il a vraiment. vraiment. Il en a Ouais, sur c'est rien, plus que bien. rien. Eh, vas-y, que je vais caster C'est. du Rocket League. Et vas-y, que machin. Et puis derrière, Pas ça oublie moi, son c'est le travail. jeu. Je suis joueur e-sport, gros, je caste pas moi, Ah, je suis pardon. joueur, c'est tout. J'avais confondu. J'ai Je confondu. suis joueur pro en fait. C'est ça le Ah. truc. Les Bilbon dans le gars, fun. à votre bon cœur, hein. On se sub, on a un prime, on n'hésite pas, on se fait Ça va, plaisir. à Hein. l'aise? Il parle de notre chaîne, évidemment. C'est ça. Merci. Continuez ce que vous faites. Je comprends pas pourquoi tu fais de la pub pour les subs chez nous, mais merci Mais quand même. c'est gentil en vrai. Je vois que t'es sympa comme mec. Je pensais pas, tu vois, beaucoup de gens disent que t'es une merde, mais en vrai, au fond, t'as du cœur. Ah, merci. Tu sais, il y avait Jojo Bats tout à l'heure. Hein. C'est qui Jojo Jojo Bad? Bats, bah, tu t'en rappelles pas? Ah Jojo putain, Bats, non! Qu'est-ce qu'il fout chez toi? il est passé au chemin obscur. Il est de retour. Reviens, Jojo Bats, là où sont les vraies personnes. Ah. C'est votre vache à lait ou quoi? En gros, ouais. En Désolé gros, de le ouais. dire comme ça, mais on dirait. C'est notre Amai, mais depuis un jour. Donc bon, Ah c'est très d'accord. récent. Il a offert trois subs, hein. C'est trop pour toi déjà.
C'est énorme, c'est énorme. Évidemment, pour refund les subs chez Hugo, n'oubliez pas paramètres, abonnement, cliquez sur le profil d'Hugo, vous faites et n'oubliez pas, pour que Wanky ait énormément de frais de dossier sur PayPal, on va sur PayPal directement et on annule le paiement. Comme ça, au moins, ça prend des semaines, c'est impossible, ils sont obligés de payer. Ils peuvent. On fait comme ça. Ça n'existe plus, ça. Hein. Je crois que ça n'existe plus. Bah, de toute façon, maintenant, si tu reçois un don sur PayPal, PayPal te dit « Ok, c'est bon, il te rembourse. » Mais avant, il fallait faire des appels longs, quand même. Je crois que c'est mieux, ouais. Ah oui, bah, je pense qu'il y en a plein qui ont dégueulé au bout d'un moment. Hein. Pierre Palma de GP, bon bah toi tu dégages. A plus PayPal. Allez hop. Mais c'est trop drôle ça. 24 heures. Je garde. Eh, tous les bannis de la chaîne du Hugo là, venez chez Wanky là. A... vous serez accueillis là. Il y en a 20. Raciste et tout. C'est bon. Allez-y, noir, blanc, arabe, tous, je veux qu'ils mangent tous. Ah, pas tous sur mon live. Hein, on filtre à l'entrée quand même, attention. T'as dit 30 secondes, c'est moi qui vais tout récupérer. Hein. Bah, parce que maintenant il vérifie et du coup il reste encore 30 secondes. Oh, il nous fait chier, il nous fait chier. Alors moi j'ai lancé le jeu, mais j'ai vraiment testé, je peux le dire, hein, 10 minutes pas plus. Parce qu'en fait j'étais bloqué. Ah oh, bah t'as joué plus que moi. C'est déjà mieux que zéro. Hein. J'ai joué 14 minutes en tout. Mais parce que ça, je devais ouvrir une porte et j'ai pas su ouvrir la porte et au bout de 5 minutes j'ai fait bon, j'arrête. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins Thomas il va pouvoir sélectionner son personnage qui sont au nombre de 4 pour une expérience personnalisée pour vous tous à la maison. Oui. Je vais pouvoir vous montrer tous les personnages. Mais attendez, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même brief. Moi, j'ai pas eu de brief. Moi, là, ça a une odeur de brief. Si peut-être. Ah, il y a un brief. Hein. Moi, j'ai pas eu le même brief que vous, je pense. Ça, j'ai pas déjà le jeu, il a pas eu bon, le brief. À défaut d'être en retard pour le jeu, tu peux. Toi, tu t'occupes du brief parce que j'ai pas vu le brief. J'ai eu le brief pour les photos Twitter. Bon, bah, ça, par contre, ça, c'est non. Mais... moi, j'aime bien ma photo. On l'a mis quelque part. Oui, elle est bien. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Je vais vous l'envoyer le petit tweet là, vous allez voir les jolis petits fanarts. Hein. Ah. Mais t'as pas tweeté? Attends, il y a 1000 trucs à mettre dedans, laisse-moi le temps. Ah, il va se faire engueuler, hein. Attends. Il a rien fait du tout, hein. Ah bah non, pas encore, non. Ah mais je les ai mis assez fort là, les gars, moi ils m'éclatent déjà les oreilles. Attendez. Hop. Vous l'entendez trop fort, Hugo, ou pas? Il vous énerve là ou ça va? Moi c'est l'inverse apparemment. T'entends pas assez. Tape sur le système, les deux, là. Voilà, ça devrait être bon, là. Le lien Redfall n'est possiblement pas le bon. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Point d'exclamation Redfall dans le chat. Et oh, le fils... les enculés. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le malheur. Qu'est-ce qu'il y a? Le malheur. Ah bah dis donc, elle va bien manger, Avamind. Ils m'ont donné le lien d'Avamind. Tout le monde a cliqué sur le lien d'Avamind. Eh bah va bien bouffer celle-ci. Eh bah te v'là, dis pas que tu veux t'acheter un appartement à la fin du mois. Eh bah vas-y. Non mais là c'est un scandale, c'est un scandale. Mais j'appelle mon agent, j'envoie un message WhatsApp. Non mais c'est pas vrai les gars, cliquez pas, c'est de l'arnaque. Ça régale Ava. Bravo, bravo, merci, hein, c'est super gentil. Attends, hein, ça. Et oh. J'ai le lien de quelqu'un d'autre j'espère. J'ai le lien d'Avamind. Non c'est bon, la c'est fête. Bon, c'est bon. C'est la c'est fête. Bon. Jojo Bat et Jinkats en plus, le duo de retour, vraiment le plaisir. Ah putain, chez Wanky là-haut. C'était. Ils se connaissent pas. Vous avez eu le bon lien Wanky vous? Non, ça va. Vous avez eu le bon lien vous? Ou c'est chez Alpha... si chez AlphaCast vous que ça redirige? Non, non, mais attends. Mais comment je fais pour savoir si c'est le bon lien? Parce que moi, j'ai le lien, mais comment je fais pour savoir si c'est le mien? Attends, je vais regarder si le lien d'Ava c'est le mien. Il y a marqué. D'ailleurs, pourquoi moi on m'a donné un lien perso? Pas pourquoi. Putain, celui d'Ava, c'est celui d'Ava. Ils auraient quand même pas gratté 2 OP pour le produit en me donnant un truc perso en mode on vend 2 influenceurs alors qu'on est qu'un seul. Bon, alors là. C'est toujours un argument de choc, hein. Ça y ressemble un peu quand même. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe là. Moi, c'est mon content égale Terracide sur le lien. Ah bah, moi, c'est bien égale Ava Mind, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je peux pas entrer dans le jeu, j'ai un petit message d'erreur. Ah, ça y est. Ça débute. Attends, je vais vérifier sur mon kill que c'est le bon lien quand même, parce que ce serait quand même dommage que tu régales Avamind. Ah bah, non, j'ai le bon lien. Ava, si tu m'entends, régale-toi avec les sous que tu vas avoir à la fin du mois, parce que là, je peux te le dire. Je suis mort de rire. L'éditeur qui va dire, mais Hugo, il a aucun taux de transfo. Mais il a ce mec, mais le buzz de merde Jacob. Qu'il a, ce gars. Ah, il y a déjà Layla. Sur le jeu. Devinder. C'est quel genre de nom, Devinder? Rémi. Je dois prendre qui, les gars? Cliquez sur le lien d'Ava, les gars. Je l'ai pas. Mais du coup, toi, tu n'as pas de lien officiel? Bah non, j'attends, là.
Il va arriver incessamment sous peu. Ah, c'est fort drôle. C'est marrant, ouais. Ouais, et dans mon contrat, il avait pas marqué faire tant de clics. Hein. Oh, lui, il s'infiltre, il est chiant. Qui ça? Jacob. C'est qui Jacob? Mais il est sur le jeu, hein. En gros, je parle du jeu. Putain, je pensais que c'était un vrai mec qui s'appelait Jacob et qui s'est incrusté sur le live. Si elle me remercie, c'est le minimum syndical. Hop. Oui. Comment ça marche, ça? Hop là. Vous êtes sur le jeu ou pas? Roulé. Ouais, je regarde les persos, là, parce que je sais pas qui prendre. Je vais lancer... Attends. Moi, j'ai le jeu qui accorde mis à jour. Attendez. J'accorde tout ce que tu veux, mon gars. Attendez, parce que là, du coup, j'ai changé les liens. Ça va prendre une petite seconde. Plus, je t'imagine bien là, pendant avec une demi-heure, dire aux gens de cliquer sur les... Non, parce que ma communauté est ultra accrochée à ma personne. Mais alors ça, tu te rends pas compte. Hein. Et donc tu n'as pas fait de forcing pour que tu cliques sur le lien? Non, du tout. Chat est témoin. Hein. Stop. Parce qu'on va jouer en coop, on s'en fiche de ça. Voilà. Moi je suis encore sur le accord mis à jour quand je lance le jeu, je sais pas vous. Ça arrive pas à se lancer? Qu'est-ce que c'est? Bah c'est je sais pas, le jeu essaye visiblement de me dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai pas de proposition oui ou non. Ah d'accord, moi j'ai pu dire que j'étais d'accord. Alors je vais Alt F4 et je vais relancer. Ah c'est les trucs, les liens au début où il te dit Oui, mais j'ai déjà accepté, je comprends pas pourquoi ils veulent me reproposer de les accepter. Ça passe bien. C'est vraiment bien là. Ok. Ok les gars, je me suis mute. C'est bon, c'est le bon lien. C'est le bon lien. Cliquez les gars. C'est parti, c'est le moment de briller. Vous êtes 3700. Un clic c'est rien. Redfall dans le chat, Redfall. Let's go, one kill crazy, on y va. Vous avez le lien pareil, juste en dessous du player Twitch les mecs. Hype for Link. Juste en dessous si vous êtes sur votre ordinateur. Juste en dessous du lecteur Twitch les gars. Je dis ça, je dis rien. Mais rattrapez le retard pris là. Parce que là, va manger Gucci celle-ci hein. Ah, c'est bon. Laisse-moi deviner, il s'est muté pour remercier des subs. Non, juste pour dire qu'il y avait un nouveau lien disponible sur le chat. Voilà, insupportable. Il y avait un nouveau petit lien là, dispo. C'est bon. Ah, je suis prêt là. Là, je suis prêt. Accord mis à jour. Attendez, j'ai Alt F4 une dernière fois et quand je le lance, je clique sur rien. J'héberge et je vous invite ou. Tu attends que je lance le jeu déjà. Bon, bah écoute. Ouais. C'est vous qui décidez, hein. J'ai pas envie de me fâcher, moi. Bah, t'as bien raison. Alors, Thomas, dis-nous, quelle dernière boost a été voir au cinéma dernièrement? Bah, je crois que. Attends, c'était quoi? Bah, en fait, c'était un bon film, c'était John Wick. Non, j'ai pas vu de film depuis John Wick. Tu n'as pas été voir une bonne boost? Non, je crois que j'en ai marre de voir des merdes là. Je voulais aller voir Les Trois Mousquetaires, je l'ai pas fait. Je crois que c'est un bon film. Je voulais voir le truc. J'ai pas vu les critiques de ça. Je l'ai pas fait. Ah, Donjons et Dragons. Oh, je l'ai regardé. Oh là là. Le pire, c'est que tu te dis qu'il a payé pour ça. Non, mais il a payé pour une passe pour Donjons et Dragons, imagine. Non, j'ai pas été le voir au cinéma. Je l'ai. Bon, bah, c'est un secret de Polichinelle. C'était quoi la propagande? Il y avait vraiment une propagande en mode. Mec. Oh, finalement, il est bien. Ouais, est-ce que t'as vu, toi aussi, c'est le même argument du j'en attendais rien. Et finalement, sur Twitter. Je me suis fait baiser, d'accord. Je me suis baisé. Ça m'a décoché. Trois soufflements de nez pendant 2 heures. Le seul point positif que je dirais, c'est joli. Il y a des graphiquement, ils ont fait des trucs en image de synthèse qui étaient jolis. Mais je me suis fait baiser par tous ceux qui ont dit bah, j'en attendais rien. Et bah, finalement, c'était une très bonne surprise. Moi, le seul truc que j'ai vu sur Twitter, c'est la scène où le mec il grossit là, c'est tout. Et du coup, les mecs ils étaient en mode putain, c'est trop marrant. C'est énorme. C'est Crazy the Movie. Attention, Terra, le chat est en mode il est très bien. Ok. Attention au clash. Attention. C'est pour ça que le cinéma va mal. Les gens ils sont en train de dire que Mario est l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années, que Donjons et Dragons est un excellent film. Allez, parlons deux minutes, parlons des... Bon, j'allais dire le mot, c'est un peu excessif, mais j'ai quand même le tenter. Les fils de pute qui à chaque fois qu'ils font une critique cinéma ou une critique jeu vidéo qui sont obligés de casser, c'est une ode, c'est un banger, c'est une lettre d'amour aux médias, inséré média. Il faut arrêter, c'est toujours pareil. C'est une ode d'amour au cinéma. Oui, d'accord, ok, je veux bien dans le contexte. Mais bon, dire que tout est une ode à machin, faut aller se faire foutre au bout d'un moment.
Dosons les mots. Il y en a beaucoup qui se branlent sur leur connaissance en cinéma, hein, faut pas se mentir. Bah, les mecs, ils ont vu tous les retours vers le futur et les Indiana Jones, ils pensent qu'ils ont vu tout du cinéma aussi. Moi, je me permets pas. J'ai des Hitchcock, moi. Et les oiseaux, attention. Attention. Oh la vache. Attention, Perdri, il aurait pu l'appeler. C'est un oiseau. Je t'apprends, c'est un oiseau. Ah la vache. Moi, je suis encore en accord mis à jour. Tu veux pas Au pire, redémarre Sim, Terra. Ah, tout à l'heure j'avais un peu le même problème, mais sauf que j'ai relancé une fois ou deux, je crois, et ça a fini par marcher. Donc j'ai relancé. Ouais, tu m'avais dit que tu jouais, ouais, donc normalement ça devrait aller. Ouais, en attente de l'arrêt. Okay. Vas-y, j'héberge, c'est quoi? Hop. Attendez, vous allez découvrir sans moi. Non, on va se mettre dans le lobby, comme ça on voit déjà si ça marche, ça. Bien sûr, je vais inviter Avamine, c'est ça, elle m'a déjà bien anarché celle-ci là. Je parle français. Anarché. Oh putain. De l'efficacité, hein. Pas ouf, mais quand t'as les refs, il est bien. Tu es d'accord, Terra? Quand t'as les refs, il est bien. Oui, mais c'est ce que j'ai dit sur ma critique, c'est-à-dire que si tu es un enfant ou si tu es un fan de l'univers Mario, ça te fait un plaisir. Ah, c'est parce que tu es un adulte lambda. Tu as la ref? Elle est très technique, mais en vrai, il y a une carapace. Tu as la ref ou pas? T'as pas trop joué à Mario, hein. Bah, si t'as pas les refs, malheureusement, elles sont très subtiles, mais à mon avis, ils ont souvent des cartes. Okay, c'est en référence à un jeu qui s'appelle Mario Kart. Mais si t'as pas la ref, forcément, non, mais... Mais attends, mais y'a Bowser qui chante une chanson pour Peach, mais tu te rends compte? Ah, c'est un délire de fou. À un moment, ils ont mis un masque-casse. C'est ouf. Si les gars, j'ai cliqué sur rejoindre ou j'ai pas cliqué sur rejoindre? Si, t'es avec moi, je te vois. Attendez. Ah oui, d'accord, je te vois. Okay, et je peux pas mettre prêt parce que sinon, je crois qu'on va pas pouvoir inviter Terra. J'ai pas dit qu'elle était nulle la chanson. Eh, commencez pas à me péter les couilles. Hein. Oh là là. Bon, là, je clique, accord mis à jour, j'attends. Et là, ça devrait être une question de seconde. Ok, cool. Avant ça, t'es là. D'accord. Donc là, t'arrives. Tant mieux. Je fais partie des gens qui sont partis pendant les crédits du film Mario, il avait une scène cachée. Non, je fais partie des gens qui respectent et qui regardent les crédits justement. J'ai vu que toute l'équipe de production d'ailleurs était française, avec des noms français. Et super, la toute fin du film Mario, je spoil. Oh, il y a l'œuf de Yoshi. Attention, vous avez la ref, elle est très technique. Hein. Il y aura Yoshi dans le prochain. Attention, il faut avoir la ref. Hein. Ref médiéval, patron. Non. Oh putain. Accord mis à jour, j'arrive. Marcel qui parle pas dans le chat parce qu'il allait voir Sifo au cinéma. Le bandeur, hein. Le bandeur de Nintendo. Apparemment, je fais une super live sur je fais une super pub sur le live de Squeezie depuis tout à l'heure parce que j'arrête pas de relancer le jeu. Et du coup, sur son live apparaît la notif. Ah bah vas-y. De lancer Redfall. Lance agro. Continue. Agro. Pour relancer un petit peu les serveurs là, vas-y. Hey, t'as vu qu'on s'est fait review bomb à cause du down des serveurs? Ah oui, tu m'as dit. Oh putain, sérieux. Mec, on est passé de très positif à moyenne. Oh, mais c'est horrible. Link, t'es au courant quand même que votre jeu, il a une énorme communauté turque, hein. C'est la Turquie entière qui s'est plaint. C'est la Turquie entière qui est venue, hein. C'est bon là, ils se sont plaints sur la page. Jeu, ils vont s'amuser, ils vont oublier leurs critiques pourries là. J'aimerais bien savoir. Les gens ont tendance à mettre un commentaire quand ils sont vraiment pas contents, mais quand ils vont s'amuser, ils vont pas mettre un avis positif, ils s'en foutent, ils sont en train de taper. Ah oui, mais c'est sûr. Et vous savez ou pas, Garou, ils ont pété un plomb. Vous savez les stats qu'il faut pour avoir une note genre très positive? Qu'est-ce que c'est ou pas? Vu que vous êtes sur Steam. 90, on était à plus de 90, je crois. Dans 86, on avait du très positif, je crois. Ok. On était à 86% de review positive. C'était marqué extrêmement positive ou très positive? Non, extrêmement positif, c'était au début. Mais c'est dur de garder. C'est quand t'as les gens qui bombardent. Après, t'as les vrais avis et on est tombé en très positif. Ok. Bon, ça va en vrai. Si vous dites que c'est 95%, d'accord. Oh non. Alors tout à l'heure j'ai eu ça, mais quand j'ai relancé, ça avait marché direct. Bingo. Bingo. Allez. Alors, hop, je vais t'inviter. On y est presque. Difficulté, crépuscule, on s'en fout de ça. Choisir personnage. Attends. Nouveau personnage. Ah, prends pas le même que nous, hein. Vous avez pris qui, vous? Moi j'ai pris Rémi, je crois. Moi j'ai pris le mec avec son nom chelou et son manteau jaune. Et bah je vais prendre Layla. Devinder. Créer un personnage. J'attends que tu rejoignes le lobby pour dire la phrase magique. J'attends. D'accord, mais Hugo m'a pas invité. Moi, je te vois pas dans mon truc en ligne en fait. Je vois Thomas. Ah là, je dis pas la phrase. J'attends. Tant qu'il est pas là, je dis pas la phrase. Attends, mais je suis. Je t'invite via Steam, Terra. Je t'invite via Steam. Ah bah, je peux pas. C'est ce que je veux. Je peux pas, je te vois pas. T'es sûr que t'es pas offline? Bah.
pourquoi je me vois en vert. Si ça se trouve, tu as réussi à lancer le jeu, mais pas te connecter au service en ligne non, du jeu. Je suis en ligne. C'est Terracid, je suis en vert en ligne. Je vous vois tous les deux dedans. J'avoue, je te vois en ligne sur Steam, mais je te vois pas en ligne. Ouais, dans le pareil, jeu. Pareil. Attends, est-ce que je dois lancer une partie? T'as lancé toi, Link, une partie avec ton perso? Quand je fais avis, moi je non. vous vois, vous êtes là. Non, non, bon, bah, non bon, moi alors. J'ai rien lancé. Bah, c'est moi qui vais vous inviter alors. Vas-y, vas-y. Hugo. Et j'invite Link. Attends, j'accepte ton truc. Esta bueno? Terracid, Esta bueno accepté. Pour moi? Bah, moi je t'ai invité. Et voilà, on est voilà tous là. Merci à Bethesda de son stream. Merci. Merci beaucoup. Sur Steam, sur PC, sur Xbox Game Pass, Xbox Series, ça nous régale. Et ça va bien se passer, putain. Mais par contre, je vous vois pas dans mon lobby. Mais si, t'es avec nous là. Ah. Je te vois là, Terra. Ah non, d'accord, j'avais pas confirmé le perso, c'est bon. Ok. N'oubliez pas de cliquer sur le lien parce qu'il y en a qui ont été modifiés apparemment. Donc, Cliquez sur le lien, bien évidemment. Notre lien. Qui soit nos liens respectifs. Cliquez sur le lien d'Avamind. Si vous voulez soutenir la chaîne, je le répète, ça soutient énormément la chaîne. Soutenez. C'est énorme, ouais. Il faut vraiment nous soutenir parce que c'est difficile, on se serre le ceinture, vous savez. J'ai encore acheté du blanc de poulet tout à l'heure, 4,80€. Oh putain, ça pique. Oh la vache, les sardines à l'huile. Sur le lien. Bien sûr, vous pouvez cliquer plusieurs fois. Et chez Wankil aussi, hein. Regardez, je suis de bonne foi. Hein. Surtout chez Wankil. Je vais pas répéter. Hein. Ah. Bon bah largement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gars, ça ne saurait tarder. Hâte de voir. On rappelle que c'est Arkane États-Unis qui l'a fait, hein. Ce qui s'est passé à Redfall. Alors moi j'ai la cinématique. Oui, il y a une cinématique. Pareil. Alors Hugo, permets-moi de te corriger, c'est Arkane Austin, Texas. Tout à fait. Puisqu'il y a deux Arkane en France avec Arkane de Lyon. Tout à fait. C'est pas qui la même équipe. Nous qui s'est occupé du jeu. Exactement, ça n'a rien à voir avec Arkane française. Arkane Austin a fait Prey par exemple. Alors qu'Arkane Lyon. Dire des trucs. Ah, il fallait expliquer des trucs super graves et vous parlez au-dessus, c'est terrible. Pardon, oui, bon, bah, il y a des vampires. Rien écouté, mais tout le monde, je pense que tout le monde est mort. Il y a des vampires, c'est tout. J'étais naïve. Ah, ouais, ça va. Ils n'étaient que des monstres. Ils ont pris bien plus qu'une goutte. Y'a pas un bouton non, Terra moi, là? Moi j'aime pas le sang. T'as dit quoi? Appuie sur F ou échappe juste pour voir. Fais voir. Non non non. Quoi? Non. Oh. Ok ça va. Ah oh, non, ok. Ça a coupé l'animation. Merde merde. Ah putain c'est chiant. Donc ça c'est Terra. On moi, commence tous direct deux. Là? Moi je vous vois tous les deux, c'est marrant. Ah, je pensais qu'il y avait un tuto au début. Ouais. Succion. 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 La série, hein. Ouais, bon. Ouais, pas terrible. Ouais, message au monteur Wankil, on la coupe. Eh ben, ça suce, hein. Oh la vache, les paluches, par contre, j'avais pas fait gaffe, c'est quoi ça? Ça, c'est du big. Oh la vache, ils ont les doigts. Des très putain. Longs bras et des grosses, grosses mains. On dirait des baguettes de sureau à chaque doigt. Fait peur, hein. Suce-moi. Oh. Elle arrive. Elle voudra voir ta reine mère. Oh, la reine mère, il parle de la reine mère, j'en suis sûr. C'est qui la reine mère? C'est qui la reine mère? Mais tu sais, dans les jeux, généralement, quand il y a des monstres, c'est une reine mère. Ah, d'accord. S'il y a vraiment une reine mère, t'es chaud parce que. Alors, attention, reine mère. Oh la v'là! Putain, c'est la reine mère! S'il y a marqué reine mère 2 points, t'es si très fort. Si il y a marqué reine mère, je te jure que. Après, t'as regardé la cinématique tout à l'heure, ça se trouve. Non. Non, vraiment, j'ai tout skippé pour démarrer le jeu. Allez, parle et dis ton nom. Parle! Titre. Elle parle! Ah! Elle va s'appeler Benedicta ou un truc comme ça. c'est une marque de mayonnaise, allez, de pute. Elle va s'appeler Ains. Oh! Oh non! C'est quand même vachement plus la classe. Je m'appelle Heinz. Les autres veulent votre mort. Mais je veux ici.
Eh ben dis donc. Elle est belle, hein. Oh le gros branleur sur tous les jeux. Oh la vache. Oh Rune 34 Alors là 100% il y en a. Je suis bien content de pas avoir sélectionné un homme, hein. La vache. Le jeu, je vais y jouer tous les soirs. Plus jamais vous ne verrez le soleil. Ça marche. J'ai rien compris. Hein. Bon, ouais, normal. Alors, moi, quelqu'un a compris pourquoi la mer c'était de la gelée. Quelle mer? Je vois même pas de quoi. Alors, tu j'ai parles. Pas vu ça. Regarde la mer là. Ah oui, là. Oh là, oui. C'est de la gelée. Oh oui. Oh merde, je me suis soigné comme un con. Bah non, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la mer, on a elle peu est. De vie. La mer, elle est figée un peu. Mais oui, non, mais c'est de la. Ah non, c'est. Ah ouais, c'est la texture, elle est bizarre. C'est figé. Merde. Ils ont stoppé le temps. Bon, les vampires, ils font pas ça quand même. Oh, une barre chocolatée. Vous pouvez laisser des soins, putain. Attends, regarde, bouge pas. Non, moi je prends toutes les barres chocolatées. T'es où? Bah attends, ouais. Thomas, t'as besoin de soins, toi. Bon, allez, ouais, c'était mieux, toi. Allez, hop. Hop là. Oh, merci. Comment il a fait? Et à mon tour. Un truc de soins. Ouais, je sais pas. Et pourquoi j'ai des kits de soins. Bah tu vas attendre, on est au même niveau là. Je mets plus fort. Ah ça y est, oh, ça y est, il commence. Médical. Il va tout looter. Ah non, c'est bon, le loot est partagé, j'ai eu peur. Un kit médical. Ah, genre, quand j'ai pris le kit médical, vous l'aviez là? Ouais, ouais, on l'avait aussi. Bah ouais, c'est bon, en fait. Incroyable. Eh, y'a du lore ici, lisez la lettre. Mais il va nous faire chier, celui-ci. Y'a un flingue ici. Un flingue hein ici. Quoi? Quoi? Là, y'a un flingue là. Oh, je prends ça. Ouais, ouais, ouais. Mais poussez-vous! Mais il y a des collisions. Toi. Lettre juridique, mais on peut pas lire. Moi j'arrive à rien lire, hein. Je sais pas comment t'as fait, Thomas. Bah moi j'appuie sur E et examiner, je dis. E j'ai pu. Ça m'affiche rien. Moi je peux. Allez, comme ah ça, si je c'est bon. E très vite, vous ferez pause si vous voulez lire les lettres. Vous avez lu là? Voilà. Ici encore du lore. Allez. Allez hop. Allez. Chacun son tour, un par un. Vous bousculez pas, hein. Oh c'est qui ça? C'est pris bon. En van je dis super vite donc j'ai pas besoin de. Ah je crois que c'est mon pote. Ah non, c'est peut-être celui de. Mais c'est peut-être le tien en fait, Thomas. Il y a ça. Qui le bribon? Bah, c'est qui? Moi, je peux pas le guider, hein. Je crois que c'est une compétence, ouais. Ça doit être le tien, Thomas, je pense. Oh, en attends! Bas, à gauche, t'as un truc ou pas? Moi, j'ai juste une lampe torche et un kit de soins. Non. Attends, mais c'est le même bruit que dans Pity, ça? C'est quoi ça? Vous aviez des balles dans votre pistolet? Oh, j'en ai 15 là. Zéro. Comment? Ah, ouais. Comment t'en as eu 15? Moi, j'en ai pas. Ah, parce que j'ai trouvé un sac à dos avec des balles à l'intérieur. Allez hop, ciao les loose. Il est où le sac à dos? Ah, oh là. Ils sont dans la gelée. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah mais c'est quand même dingo ça. Je comprends pas pourquoi la mer c'est de la gelée. J'ai envie d'être dedans là. On peut pas nager. Peut-être qu'on aurait dû écouter l'histoire. Simple conseil. Moi je veux me battre. On peut rien faire là. Hop là. Oh. Munitions, munitions dans les coffres. Ah merde. Faites ce que vous voulez mais munitions dans les coffres. C'est pratique dans l'équipe. Il renifle tout. Mais tu peux être sûr que. Heureusement que c'est partagé hein. Je te jure que c'est difficile. Oh y'a un truc là les gars. Oh il avait pas vu celui-ci. Ah je peux pas l'ouvrir ça par contre. À l'intérieur du haut. Oh. Utiliser le crochetage. Ah ouais. C'est moi qui ai une compétence de. Allez, va te faire foutre. Vous avez rien vu. Rien en fait. Ah, jeu de plateau. Voilà. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Ah, mais ça fait du bruit en plus, hein. Bah, c'est la mer quand même. Il y en a de la mer là, hein. Mais il a qui ce putain de robot? Mais c'est ce que je me disais aussi, mais je crois que c'est à toi, Thomas. Attends, il suit qui? Ouais, je crois qu'il suit toi. Hein. Non. Attends, je bouge pas. Ah non, c'est le mien! Il est à toi! Oh, qu'est-ce que tu me fais, Bribon? Munitions! Munitions! Partout ici! Bon, ouais. Plus, deuxième pistolet! Bon, hein, pousse-toi alors! Ouais! Mais laissez-moi partir! Ah, toi aussi, Thomas! Bon, je crois que je peux pas emporter plus, hein! C'est les mêmes pistolets! Là, je peux plus avoir de balles parce que je peux pas récupérer la dernière boîte de munitions! Vas-y, viens, Bribon! Il y a quelque chose à faire! Anguille frite! Hein. Ah, c'est juste un raccourci! C'est juste un raccourci! Vitre. C'est quoi là pour briser? Ah mais c'est le bruit qu'on dit ça. Hop. Et hop, brisez vite. Rangez Zizi. J'arrive. Munitions là encore. Ah bah si, on peut emporter plus de 30 en fait. Il y a un gros bruit. Ouais, j'ai ouvert une porte mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. Attendez, je vais baisser ça ma sensi. C'est catastrophique. Ouais, ma sensi est un peu haute, attends. Un petit coup et puis c'est bon, c'est réglé. Le son qui est un peu haut. Alors, par exemple. Paramètre. Paramètres, gameplay, 0, là. Allez, 0,4. Sensibilité souris, oh tu vas baisser à 0,8. Ah, le son il est fort du jeu aussi de base.
Ouais. C'est la même salle que tout à l'heure, ça. On fait un gros tour en rond, là. Alors, je comprends pas, tu vois, on dirait... Mais alors, à prendre avec des pincettes, hein. On dirait que j'étais bloqué exactement à ce moment-là, et que du coup, c'est pour ça que j'ai pas compris. Bah attends, ça doit être là. Oui, c'est là. On est plus assez proche. Attends, où? C'est bon, ça s'est ouvert, en fait, en bas, venez. Mais comment t'as fait pour ouvrir? Mais bah, je sais pas. J'ai cassé la vitre et j'ai appuyé sur le gros bouton rouge. C'est ça. Mais attends, on peut pas passer par là. Bah alors, attends, non, pas par là, du coup. Ouais, on a fait un grand tour, là, mais... C'est de l'autre côté, les gars, en bas. En fait, vous pouviez y accéder dès la salle du début. Je vais te montrer la Solus, hein. Théma, la gueule de la Solus. Ici. C'est ouvert. C'était là. Mais oui, mais là. On pouvait pas tout à l'heure. Ça ah, mais tu l'as pété là, d'accord. Ah, ouais. Bah, je l'ai ça fait le point. Fallait briser cette vitre. Moi, je pensais que c'était là-haut qu'il faut péter. Eh ouais. Oh, l'overreact. Oh, mec. Oh, regardez. Dans 10 minutes sur truc. J'ai un pistolet. Oh la vache! J'étais bloqué parce que je comprenais pas briser vitre, j'avais brisé la vitre du bateau! Ah. Il y a des gens qui ont dû être. Qui ont dû revendre le jeu à cause de ça, c'est bah, je pense! Oh! Les Turcs! Ça, les Turcs, ils ont mis une mauvaise note, ils sont partis sur un groupe! Putain, il y a des méchants là! Non, mais il y avait marqué Stills, t'étais pas obligé de tirer du coup! Ah! Ouais, c'était un vraiment un gros tuto avec marqué en fait. Ouais, bah moi je veux combattre! Ça, s'il y a du cac! Oui, il y a du cac! Tiens, toi, ta mère! Les headshots ils font quelque chose ou Ouais ouais ça fait plus de dégâts. Oh par contre ils font mal hein ceci dit. Alors toi dégage. On est en difficulté crépuscule je crois. C'est maximum? Attention. Je... Non non pas du tout. Alors là... Non c'est Maxidan. Reagent. Eh hey, ben... Mais en forme hein. Ah putain. Manger du kangourou là. On va la chercher hein. C'est c'est plus la compréhension. Même moi j'aurais pas osé. Même moi. Laisse-le où il est, Max, s'il te plaît. Laisse-le. Pourquoi je peux pas prendre le marteau? Je pense que c'est juste pour faire beau qu'il y a un marteau. Moi, je peux. Ouais, donc c'est qu'il y en a qui ont du corps à corps. Attends, mais il y avait vraiment que ça comme ennemi. Ils sont gentils, hein. Ouais, mais par contre, attends. Échappe. D'ailleurs, une histoire d'inventaire que je comprends Oula. Pas. Où est-ce que je suis, là? Compétence indisponible. Ça marche. Oh, il y a du loot là par contre. Mmh. Ouais, mais on peut récupérer des armes de cac. Oh là, attention au nuage rouge. C'est quoi ça? Putain, mais il loot tout! De l'embarcadère du ferry. C'est les clés de l'embarcadère du ferry. C'est où l'embarcadère du ferry? C'est ça, non? C'est là-bas, sud-ouest, c'est en face. Mais non, mais je pense pas. Aïe! Si, regarde en haut sur la map, Terra. Bah tu vas où embarcadère du ferry? Je sais pas, moi je suis le gros point jaune qu'il y a sur la boussole vrai, en haut. Moi je pense que j'ai récupéré une clé bonus. Ah tu penses c'est un truc? Ah bah peut-être ouais, là alors. Ouais je pense que c'est... oui voilà. Attends on va y aller. Ouh toi Stealth. Vas-y je te laisse faire. Il y a quelqu'un là. Est-ce que je peux l'assassiner genre attends? Ouais. Ouais, bien! Ah! Bon, bah, ça, allez! Ouais, super! L'assassinat en question! Tant pis! C'était rapide! C'était rapide! Dégage! Oh bah, mais il enchaîne! Oh la vache! Ça va vite ce soir! Plus que quelqu'un ce soir, une blague, un rire! C'est chez vous, hein, uniquement! Ah, y a ta blague! Putain! Oh, il s'arrêtera jamais, hein! Ah, dommage le vélo! Attends, cherche ta les clé là! Ils ont des gros fusils à pompe et tout, on peut pas la récupérer! Hein. Ouais, ça me dégoûte! Ça me dégoûte! Y'a pas un truc, y'a pas une porte ou quoi Attends, c'était quoi le nom de la clé, Terra? Ferry quelque chose. Bah, on le est ferry. Sur le ferry là. Mais je t'ai dit, si ça se trouve, c'est vraiment le truc principal. Hein. Attends, je vais bah aller voir. Ça donne envie de savoir. Trouver une clé dans un endroit random. Je vais aller voir, je vais embarcadère voir. Du ferry, c'est pas ça. Oh, je pense pas. Ouh, attends, stealth. Ce serait pas ça. Je peux pas l'envoyer, mon robot là? Le bateau du début, en bas. Ah non, bah je retourne pas au début. C'est le truc de base. Oh non. Ok. Un petit coup de poing dans la jambe, ça one shot dans le dos. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est ah, assez bah, impressionnant alors, la première fois. Ça. Alors attends. Nickel. Le perso il était. Ah ça marche attends, direct. J'ai pris un petit coup de poing dans la jambe, ça fait super mal. Aïe. Je vais essayer. Coup de poing dans la jambe, tu dis, c'est KO direct oui. Direct. J'ai une meilleure idée. Attends, il rôde là. Attends, la clé, tu l'as dans ton inventaire ou pas?
Ah ouais, non, on l'a tous. Oh okay. Putain. Et voilà. Oh Ned. Oh Ned, oh, by Terracine. Pourquoi tu fais quoi? Tu vas faire tout demi-tour là pour y aller? Bah, je cherche pas la clé, non, non, mais après, Thomas. Chacun y va s'il veut. Hein. C'est, non, mais c'est un truc de ouf ça. Regarde-moi, non, mais... Sora. Mais t'es un complétionniste, hein. T'es pas obligé d'y aller. Moi, je vais l'ouvrir et puis voilà, c'est tout. Attends, est-ce que complétionniste, c'est le nom qu'on donne aux gens qui veulent faire des trucs à 100%? Exactement. Exactement. C'est vraiment une expression de connard et un comportement de connard. Alors le chat. J'ai l'impression qu'on en a avec alors, nous là. Alors le chat, la studio là. Alors là, je suis resté trop longtemps dans le nord, fais chier. Elle est où la porte? Ah attends, il y a une échelle là. Ouh, ça sent ici. Ouh, ça sent ici. Et non, c'est l'embarcadère du ferry. Mais c'est ça un embarcadère. Mille pattes. C'est un. C'est ouvert. Oh ah, t'as trouvé? Oh, c'est vrai ou pas? Oh putain. Trouver une arme avec un puits, il a trouvé ce con. J'arrive. Oh bordel! Ah, ça les a fait venir, j'étais sûr que ça les ferait venir. En... Ah, bah s'il y a du loot, je suis là! En y retournant. J'ai trouvé un flingue, il est tout pourri, c'est le même flingue qu'avant. Ouais, pareil. Attends. Il est où le truc, Thomas? Allez, Bah, derrière la porte. Ah, bah, avant là. Ici, je crois. Quoi? Hein? Là. Là, j'ai eu un. Tu vois, dans mes mains là, j'ai eu ça. Mais où ça? À mes pieds. Bah, à mes pieds, ici. Ah, bah, c'est qu'il se l'est gardé pour lui, ce mec! Mais c'est pas possible, c'est moi qui ai trouvé la clé! Mais c'est pas vrai, hein! Mais c'est moi qui ai trouvé la clé, c'est du Kiger! Mais pourquoi la clé est commune et pas l'arme? Ouais, il est gourmand, mais attends, hein! Mais c'est un truc de ouf ça, c'est quoi ça? Il télécharge le jeu en dernier, mais il se la met bien, hein, putain! Je suis bien d'accord avec toi, c'est scandaleux! Plus bas! Je suis dégoûté quoi! Comment bon, ça, plus bas? Par contre. Vous auriez pas indiqué le mauvais endroit quand même! Ah, peut-être! C'est pas son genre, non! Ah non, c'était en dessous? Thomas! Ouais, si, genre, du coup là! Du coup là! Il se fout de notre gueule! Mais c'est pas vrai. S'il l'a looté, là, il l'a looté ailleurs, c'est sûr. S'il est censé être quelque part, c'est ici. Hein. Mais il se fout de notre gueule. Genre, c'est près du cadavre, là. Le marin, là. Ah, fusil de chasse. Ah. Quand même. Tu restes appuyé. Toi, tu peux rien récupérer. Non, c'est un peu non mais je l'ai, mais comment je le choisis? Ah, comme ah, ça. Ah, fallait faire équiper. Ok, j'ai les trois armes. Mais attends. J'ai bien fait d'y retourner. Je comprends pas ce que c'est la différence entre les deux pistolets qu'on a ramassés, par contre. Bah, c'est vraiment les mêmes. Ils ont le même nom, ils ont pas le même nom, mais. Par contre, il y a un truc là où c'est sûr. Je sais oui. pas si vous y êtes allé. Non, on n'est pas allé. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? Oui, parce que j'ai regardé s'il y a du loot au cas où. Alors, on y va. Voilà. Putain, on a personne pour crocheter les serrures, c'est. Ça somme là. Ah, fallait sélectionner un peu. C'est une compétence à avoir, je pense. Ouais, je pense que c'est une compétence. Eh ben putain, j'ai bien fait d'y aller ici. Attends, il y a forcément un truc. Oh oui, oh oui. T'as trouvé quelque chose? Je suis en train de... Oh putain! Non, y'a rien, y'a rien. Tu... Si, si, regardez où je vais. Il nous fait chier. Oh le malade, il nous force. Mais putain, accroche-toi! Mais merde. Eh, moi aussi, c'est pas accroché. Attends, je m'accroche sur le côté. Non, mais c'est pas. Finalement, y'a rien. Y'a plus rien, c'est ça genre, que tu veux dire. Arrête. Ah bon, allez, bon, allez, tant pis, allez, c'est bon. Non, c'est un vito jump et ça récompense pas. Ouf! Oh, par contre, y'a des dégâts de chute. Mais par contre, il y a vraiment. Ça sert à rien cet endroit, j'ai du mal à croire. Il ouais, met une échelle et peu, tout. Hein. Il y a forcément un secret, mais si ça se trouve, fallait qu'on crochette, comme dit Thomas. J'y crois, bof. Je t'appelle bon, Thomas. Okay, hein. J'avance. Mec, on est amis, c'est normal. Aïe! Ça me met à l'aise des gens qui me connaissent pas dans la vraie vie, mais qui me connaissent en tant que youtubeur qui m'appellent Damien. J'ai envie de leur dire, comme on est pas potes. Exemple, je suis mal à l'aise. Il y a tout de suite une grosse proximité. Bah, t'as jamais vu d'abonnés qui te s'appelle par ton. Ah non, bah moi, bon, pseudo. Comment te dire que c'est un peu râpé, hein. Mais moi, on m'a déjà appelé Damien et je suis en mode. Ah, genre, ouais, moi arrête. Aussi. C'est. J'aime pas ça. Je pensais que t'allais dire dans le cas de figure contraire, genre le boucher qui t'appelle. Bonjour, Terracine. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est aussi horrible dans ce sens-là. Ah. Mon pseudo, c'est Godélire, mais mon prénom, c'est Ernest, hein. Il y a des gens qui m'ont déjà posé la question. C'est ton vrai prénom, Hugo Délire? Des fusées de détresse. C'est un prénom de con, hein. Il faut qu'on atteigne la caverne. Oh, c'est marrant, c'est exactement comme le début d'un autre jeu. Oui. Mais c'est pas le jeu de la soirée. Oh là ah, non. Motus et bouche cousue. Tiens, je vais tester le pompe. Allez, toi, t'as ah ta bah, mère. C'est... Moi, ah c'est bah, pas c'est mal. Efficace, c'est hein. pas mal, ça fait quelques ouais, dégâts. Ça fait du dégât. Après, je vous rappelle qu'on est en difficulté légendaire. Légendaire. Fallait la choisir dans le lobby, je crois. Tous les adeptes de voilà, la caserne. On peut le faire. Allez, on assassine les adeptes là.
Personne là. Je joue à votre façon. Oui, à votre façon. Oui, bon. Ouais, on va le faire à notre façon. Ouais. Voilà, allez, à notre façon. La façon en question, 2 points. Niquez tout le monde. Non, non, mais non, arrêtez. Attends, attends, de... attends, mais putain, mais c'est un truc. Oh là là, il a fait l'expérience de jeu, ce mec. Voilà. Ah, oh putain, j'ai failli canner. Oh, j'ai failli canner. C'est insupportable. Oh, on va pas casser. Se faire chier, hein. On peut faire un truc avec ça. Oh, j'ai trouvé une entrée. Ah, fusil d'assaut ici. Ah. Stealth, stealth. Où ça, fusil d'assaut, Damien? Fusil d'assaut, entre le bidon et le tronc d'arbre. Je veux. Ah! Bon, allez, va te faire enculer, toi. Allez, ça commence. Ça putain, commence. C'est bien parce que d'habitude, c'est moi qui me fais avoir, mais là, t'es là. C'est bien, mais j'ai plus de soin. Hé! Tu viens et tu fais E sur ma personne, là. Appuie. J'ai plus de kit. Ah, c'est ça. Allez, appuie. Voilà. C'est bon. Ah non, attends, comme ça. Ouais, sur le toit, apparemment. Voilà. Comment? Bon, c'est moi qui ai pris les dégâts en plus. Va niquer ta mère. Allez, c'est bon. Utiliser le crochetage. Mais on l'a pas le crochetage. Voilà, je déverrouille les portes, moi. Bien. Attends, oh. T'es. Ah, oh, le jump de votre torche, c'est quand même vachement agréable. Qu'est-ce que t'as dit ? J'espère que t'as pas dit ce que j'ai entendu. T'as dit. Moi ? J'ai cru que t'as dit. T'as l'écran de thé, Thomas. Alors là, là j'aurais quitté le vocal. Torche. Mais putain, on est à Apagnan ou quoi là ? Attendez, eh. Alors là, j'ai trouvé ça. Alors là, c'est pas une blague, vraiment, fusil de chasse. Non. Si, il est là. J'ai piné. Ah, oh, je suis au-dessus des ennemis. Rendez-vous là. Compte. Moi, bon, je regarde de loin. Ma meuf vit en -500 avant Jésus-Christ. Tout à l'heure, je lui dis quoi Koubé et elle me dit hein. Elle avait jamais entendu de sa vie ni vu quoi Koubé. C'est rare, ça faut en profiter. La chance. Je sais pas comment c'est possible. Ah, je lui dis tu vas voir des gens dans la rue. Il y a 60% de chance que même les vieux ils puissent connaître. Elle va sur TikTok ou pas? Mais non, mais en fait. Et bah voilà. Elle est c'est sur des ça. Réseaux, tu vois, mais le truc c'est que vu qu'elle est. Excuse-nous, Hitler, une elle vieille. Est sur les réseaux américains, genre. Et ben, elle est pas au courant de tout ce qui se passe en France. Et elle est dans sa bulle. Ah ouais, sorry. Coup, excuse-nous, hein. Oh, le cerveau. Excuse-nous, Maréchal Ferrand. T'as dit, attends, t'as dit excuse-nous, Hitler avant. Mon but c'est de comparer avec des gens qui n'ont rien à voir. Excuse-nous, Hitler. Pardon Goebbels d'aller sur Twitter. Oh là. Ouh le melon du mec. Il y a des scènes qui servent à rien. Mais attends Terra, dit... Terra là là. J'ai fait l'objectif, la batterie, là. La batterie ici. Tiens. Allez hop. C'est drôle ça, c'est bien. j'ai 5 HP. Ah crève un coup pour moi. Vous avez été tout en haut à l'étage, il se passe rien. Bah là j'y vais là, je vais remettre le courant. J'ai fait l'objectif en haut. Ah bah très bien. Je suis passé par le on progresse. Je suis tombé direct en haut. Bah non parce que moi je... J'ai toqué, ça me... Je comprends ouais, pas où il faut toqué, aller du coup. Mais il faut activer le courant dans la caserne. Ça doit être par là du coup. Bon bah, j'ai mon robot, là, je sais toujours pas à quoi il me sert par contre. Hein. Ça, c'est ah, on descend vraiment. Non, bah non, je vous t'ai êtes vu, passé en fait. Où les gars, je vous vois oui, pas. Oui non mais, je veux ouais, voir bah ce non, que mais... ça fait. Oui oui oui, mais c'est pas obligé d'être à côté, que c'est un choix personnel. Mais okay. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? On doit aller à l'objectif, ah. Remettre le courant. Mais on sait où il se trouve. Par contre, où est-ce que c'est? Oui. Attends, mais il y a une porte et il y a quelqu'un bloqué derrière là, je comprends plus rien. C'est censé. Remettre le courant, c'est l'objectif qui est en bas. Mais c'est en bas, bas ouais, faut être en bas. Il y a une carte. Ah, peut-être par là du coup. Il y a un basement. Oui, il y a marqué en bas. Ah non, du tout. Donc il faut trouver l'endroit où on accède. Attends, au sous-sol. C'est quoi? Je vais aller dehors, je vais voir s'il n'y a pas une sortie dehors. Oui. C'est exactement ce que j'ai fait, mais franchement. Excuse-moi, Hitler. Je vais continuer. Pas hein. Personne, on n'a pas le droit, c'est pas les règles. Ah, un truc électrique, dis donc. Ah, bah mais c'est. Mais il est con, mais il est con. Hein. Ça n'active. En tout cas, ça n'a pas remis le courant. Ouais, j'arrive. Oh putain, mais ça continue là. Ah, merci. J'ai pris des dégâts à cause de toi. Merci. Pareil. Ouais, c'est pareil. Je trouve pas de basement. Hein. Ah. Ah bah si mais on est con, il y avait des escaliers à côté. Dehors ou à l'intérieur? À l'intérieur, la grande salle principale. Oh putain, toi le vampire. Salle principale. Ouais, c'est un vrai vampire. Il a plus de vie les gars par contre. Mais hein. On sait pas où c'est, tu et je suis dans le basement, là où il y a un escalier dans la salle principale. Mais on est dans la salle principale, mais il y a pas là, de... Là où je suis.
Mais où tu es? Tu es en bas, toi. Donc j'ai piné, Damien. Oh, y'a un zombie, un vampire. Je connais plus trop le bestiaire. Ah, il faut l'empaler comme dans les vrais films de Buffy contre les vampires. C'est bon, vous l'avez eu? Non, parce que je sais toujours pas où est le... La salle le principale. Bah, y'a marqué vaincre le vampire. Ah! Oh là, la compétence. C'est quoi cette musique là? Puisqu'on est en 2015. Puisque Jay-Z a fait une prod. Alors moi j'ai un pouvoir, j'ai une roue de vélo qui se met en face de moi. Vous avez quoi? Bah c'est moi c'est mon petit robot que je peux utiliser. Oh. Je sais toujours... Ah putain elle est là, son escalier. Hop là, c'est bon, interrupteur activé les gars. Et là c'est quoi ton pouvoir? C'est un truc pour faire de l'électricité mais... Il est déjà pris, c'est ça? Attends. Qui ça? Non, pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe Thomas? Oh, c'est celui-là, yeah. Attends. Je suis électricité là. Ok. Électricité... Moi tu vois c'est roue de vélo quoi. C'est tout là, juste oh, ça. Mais c'est bien toi, tu peux parer les attaques. Moi regarde. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. J'amène mon fils de pute de robot avec moi, ça sert à quelque chose hein. Tiens, va ici. Ok, c'est stylé. En gros, il attire les ennemis. Il attaque peut-être les ennemis, non? Oh, c'est stylé ça, ouais, par contre. Il fait quoi? Il dit qu'il y a un danger près de nous? Normalement, je peux... Non, c'est pour attirer les vampires après. Ok. Je laisserai après quand tu auras un combat. Oh, je pense qu'il faut qu'on monte cette fois-ci, puisqu'on a fait l'objectif. Ouais, vas-y. Et qu'on ouvre la porte. Tu arrives, Thomas? Ouais. C'est pas ça. Oh putain, faut qu'on rejoigne. Il faut que l'un soit là. Faut qu'il soit avec nous. Ouais. Ah, et on peut pas se TP, excellent. J'arrive. Ah, il est content, il remue la queue. Eh ben, excuse-nous, Mary Poppins, j'ai changé là. Ah, il est là, Thomas, c'est bon. Non? Là. Non, il est pas là. On n'a pas pu, il y avait marqué que c'était. Mais t'étais sur le toit, comment il a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis un petit singe. Mais t'as trouvé quoi sur le toit? Tu l'as rien dit, hein? Regardez où vous mettez. Rien. Oh putain. Hop là! Mission réussie. Non, mais il y avait rien, c'est juste qu'il y avait un texte au début qui disait faites-le à votre façon, et il y avait un truc genre passer par le toit. Ok. Et c'était juste pour passer par le toit, quoi. Bon, un petit diapo, les gars. C'est une non-cinématique. Oui, c'est ça. c'est malin. Ah bah, ça économise du temps. Faites-vous pas chier, hein. C'est comme l'océan, quoi. Tu peux le faire. Ouais, bah, c'est facile, quoi. Vu qu'on joue à un roman. Le goût des choses simples. Non mais les paluches par contre, je m'en remets pas des paluches. Il y a un problème des mains là, la taille. Tout le monde a ce genre de paluche alors. Putain, si on doit comprendre un truc. Bah là apparemment y a un prêtre avec des... Ouais. Des... qui fait taffer des gens. Je comprends pas ce qu'on est censé comprendre. Je sais même pas si c'est voulu en fait. Ok, c'est bon. Ouais, en tout cas, mission réussie. Il barricadait l'endroit pour en faire un basement. Ah, possible. Basement. Caisse d'armes. Oh, ça l'a réveillé l'accent anglais là. Je prends là. Ah oui, je récupère. Okay. Attends, j'ai pas d'autres armes par contre. Il me semblait avoir ramassé un. Genre une mitraillette, mais en fait non. Compétence. Non. Oh, il y en a de la compétence par contre. Niveau combien là? Niveau 2. Ah, on est niveau 2 là? Ouais. Ah putain, pas moi. Stockage supplémentaire pour les munitions d'assaut. Compétence. Ah si, j'ai un point de compétence. Truc de... Ouais, vous avez une compétence normalement. Ah ouais, je l'ai mise. J'ai pris la on va au plus simple, on prend du passif, la bouffe elle donne plus de vie. Et hop, nickel chrome. Vous avez des trucs de soins? Ah, y'a un truc de soins. Ah mais faut payer par contre. Ah oui, y'a pas de fric. Ouais, faut payer. Il est où le prêtre? Ils sont là, y'a tous les personnages qu'on a vu dans la cinématique, mais y'a rien à faire avec eux en vrai. Vous avez pas trouvé de soins du coup. Sauf Là tu peux payer. Ah si, Révérend Eva, pardon. Ah oui, elle est là la meuf enceinte. Je vais lui parler. C'est la mission. Attends, je te retrouve. Toi tu... Oh, du texte. C'est toi qui donne la mission? Je suis la Révérende Eva. Contente de vous rencontrer. Bonjour Eva. Bonjour. La mission s'il vous plaît. Dans d'autres circonstances. Avant ça, nous étions au foyer. C'est quoi ce bruit? C'est toi. C'est toi qui fais ça? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Ce bruit là? C'est chiant hein. Mais il est chiant. C'est ma lampe torche. Vous la voyez pas?
Ah. Mais vous l'entendez. Voilà. Vous m'avez pas vu. Et vous m'avez pas bien entendu. Eh, on s'amuse comme on peut, hein. Ouais, on fait ce qu'on veut, hein. Bah, elle parle, hein. C'est bon, oh, t'as non, fini non, faut parler avec quelqu'un d'autre. Ah non. Ah non, faut prendre un... Ouais, bah... Fais chier. Kit de crochetage, bah tiens. On n'a pas de flic. J'étais riche, là. Ah putain, non. Parlez à Anna. 1250. 1250, je prends. On vous surnomme Rémi. Contente que vous soyez là. J'ai plus que 200 balles, hein. Attends, t'avais vraiment autant d'argent? Vous bah vous avez combien vous? Bah moi j'avais que 50 balles, comment t'as chopé tout 600. Ça 600. Hein? Ah bah attends, attends c'est, ouais, moi, c'est pas scandaleux lui, il a 1200, comment il a fait? Ah bah attends, tu non, disais que tu pouvais pas t'acheter de trousse de secours. Non mais je pouvais, mais c'est comme acheter une canette de coca 5€, genre tu fais pas, ça coûte trop cher. Attends mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci avec le Coca-Cola, non, moi j'ai besoin de soin. Je pouvais m'acheter une trousse de soin, mais c'était trop cher par rapport à l'argent que j'avais. Ah ok. Ouais, mais t'as quand même beaucoup d'argent. Comment t'as fait? C'est... On te reproche pas d'avoir beaucoup d'argent, on te demande comment t'as fait pour en avoir autant. Les mecs de gauche qui essaient de. Oh, mais. Oh putain, t'aurais pu t'acheter une mitraillette, Terra, c'est con. Ah, on peut recycler des armes. Ouais. Vous êtes des chiens parce que moi j'ai pris un kit de crochetage pour vous aider, pour aider le groupe. Vous avez reçu un nouveau pieu que vous pouvez utiliser pour personnaliser l'apparence, d'accord? Oh putain, j'aurais pu vraiment prendre le fusil d'assaut, vous êtes des clébards. Eh oui, je te l'avais dit, hein. Oh, attends, c'est où ça? Et ça, à quoi ça sert? Le truc du pieu, j'ai pas compris par contre. Je peux prendre. Détail, peut-être. Pour les vampires. Ah non, pieu. Découpe plus que du carton. Ah, ok, du coup j'ai équipé ça et c'est bien pour les vampires. Ouais, mais alors, pardonnez-moi, mais faut y aller là. Bah attends, je crois qu'il faut encore aller là-haut avant de faire une mission. Oui, oui, mais je suis au briefing là. Ah! J'arrive. Acceptez la mission. Mais je ne peux pas, puisque regarde la petite... Eh bien, j'arrive. Il en manque un. Vous êtes tout là-haut. Ah, faut que je trouve comment monter. Et voilà. T'as une arme en or dans l'inventaire, je crois. Hein? Ça donnerait, on a eu une version du jeu complètement basique, comme si on était vous. Bande de cons. Attends, c'est vrai ou quoi? Mais ils me disent la même chose. Ils me disent arme en or dans ton inventaire. Maraîcheuse. Une marée faucheuse. Oh. Ah mais ouais, si si, marée faucheuse. Ah ouais. Épique. J'équipe ça. Oh. Bah on prend ça. Je la personnalise en plus. Oh les belles. Mille pattes, ravin. Recycler, ça donne quoi? Oh, ça donne des sous. Recycler les armes dont on sert pas, les gars. Bah ouais, bah les mêmes quoi en gros. Hop. J'ai. Hop. Et ça, ça impossible dégage. Impossible de recycler des objets équipés. Ok, je vais m'acheter le fusil d'assaut pour l'équipe. Il est où? Carte de Redfall. Mais je comprends pas, on a pas pris la mission là? Ok, je pense qu'on doit choisir. Attends, j'étais en train de... 2 secondes. Hop là, c'est bon. Okay. Tous en sueur. J'arrive. C'est bon, on y est là. Alors par contre, c'est à l'objectif ou pas? Activé. Elle est activée, c'est activé. Je pense qu'il faut qu'on sorte, hein. Ouais. Ouais. Bah allez. Ah, c'est fermé. Les musiques, je vais les couper tout simplement. Je vais venir voilà. Ici, hein. Audio. Je vais venir chez vous, hein. Je prends un billet pour le Texas, Austin. Attends. Je veux sortir. C'est pas une Pantstar. Ah non, c'est Alexis Texas. C'est Alexis Texas. Ouais. Pardon, on discute, les gars. On peut. C'est bon, on peut. Bah là, les jeunes, ils savent plus qui c'est, hein. On parle d'une époque. Oh pardon, pendant que je parlais de Pantstar, regardez ce qui se passe. Tu fais bien d'en parler. Eh hey, bé. Oh c'est joli par contre le soleil là, j'aime bien. Putain l'arme elle est incroyable. Fouillez les épaves des hélicoptères. Elle est super belle. Ok. Alors par contre ils sont où les hélicos? Bah pas d'objectif là. Bah ils sont crachés en face là-bas. Au fond? Ah mais c'est open world. Ah bah putain mais je te savais même pas hein. Eh oh, on se réveille. Attends, moi aussi j'ai découvert cet open world. Mais qui parle? Bah c'est Leïla. C'est moi. Oh la bah ouais. Oh, son et lumière. C'est lui qui a fait ça aux hélicos. Les gars, je fais une petite blague, je me permets. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours. Ah.
qui vivaient ici avant. Bon, ça vous aide plus là. Les motelules existent. Restons bien ensemble. On est plus fort en équipe. Il y a des carcasses d'hélicoptères. Je sais même pas où je vais, les gars. Non, mais je pense que t'es globalement là où faut aller. Attends, c'est là-bas. C'est quoi ? Je regardais la map. Ouais, c'est bon, on va dans la bonne direction. Est-ce que je peux piner ? Ah, okay. Ah, je vais mourir ! Mais l'autre, t'as vu où tu passes ? Mais je suis en train de lire le texte. Je fais n'importe quoi. C'est bon, j'ai piné, c'est là où il faut aller. Attends, pourquoi ça résonne ? Comment ça ? Ah, ok, c'est bon. Bah voilà, je me disais. J'avais pas fini ma blague en fait. Ah, Acropole. Mais c'est calme hein, par contre. Il n'y a pas d'ennemis, j'allais dire. Non, bah ça va, c'est les blagues. C'est bon. Oh, bon, attendez. Quoi ? Le quad, on peut le conduire ? Il n'y a que deux places par contre. C'était une blague. Bon, allez, va te faire enculer. J'ai perdu encore toute ma vie. Je vais même pas aller. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça aurait été possible, mais bon. J'ai oublié que Damien était une sombre merde. Tiens. Bah, hein, c'est l'un qui a pris, hein. Mais attends, t'es une sombre merde. Voilà, avec nos comptes. Attends, ça m'a pensé, faut que je teste un truc. C'est quoi ça ? Putain, c'est un sniper là-bas. Je suis dégoûté. Mais bon, y'a plus de tourelle. Bah non, elle est là la tourelle. Oh, y'a des vampires ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Oh putain, l'arme elle est sciée par contre. Oh, ils ont beaucoup de vie hein. Ah, c'est bon, je la vois la carcasse de l'hélicoptère hein. Avec la jumelle. Oh la vache ! C'est un vampire ça ? Tu viens ici toi. Voilà, ça dégage. Ah, je t'empale. Oh. Ah, je m'occupe du vampire, j'empale. Bien joué. Bon ça va, je suis arrivé vivant quand vous avez tiré à miroir deux fois dessus donc Vous auriez pas du soin par hasard les gars parce que... Bon. Alors là je suis vraiment, j'ai zéro moi sur moi aussi, zéro. Les petits soucis de soin. Hein. Ok. Aïe. Oh, une grenade. Ah non. Putain, pas pu, chier. Les mixtes. Clé dynamo, ça sert à quoi ça ? Ah ! Ouh, ça pète ça aussi. Je m'écarte hein, au cas où il y ait l'autre con de... Mais qui parle comme ça ? Je sais pas. L'homme creux. Et je sais pas où il est. Oh, une grotte. Hein. Attends, on est dans la bonne direction là au moins ? Vas-y, on va dans la grotte d'abord. Je sais pas, mais il y a une grotte. Je crois que c'est juste au-dessus de la grotte. Oh, elle était forte cette puff. Putain, goût mangue, oui, d'avoir quelque chose là. Ou corniche. Oh là, c'est quel genre d'ennemi ça ? Bah. On voit ça. Bah, c'est juste du vampire classique quoi. Bon, ah. Allez hop. Voilà le vampire de mes deux. Voilà, prends ça. Dégage. Qui grésille. Allez hop. Voilà. Aïe. Renforcé. À confiance par contre. Ah mais je suis con. C'est la même chose le chat ou c'est moi ? Ah mais il est mort l'autre. Et là, j'avais oublié que c'était dans le prout là. Ah oh, oui. Bah on peut pas te relever là. Là je te laisse relever Hugo. Attends parce que moi je suis à 2 FPS là. Je suis à 2 FPS là. Ah ouais ? Bah enlève le truc t'as FSR ou je sais pas quoi là. Ouais le truc d'Amnesia ouais. Vas-y je crois il a vrillé là. Bon bah partez hein. Oui non, j'arrive t'inquiète mec. Mais t'es dans le pu non ? Ouais je suis dans la merde. Ok j'ai trouvé la sortie de la grotte les gars. Oh c'est le bon. Plan de merde. Merci. Oh le plan de merde. Merci. Merci. Ah. Bon laissez-moi je reviendrai plus tard. Ah t'es remords. Mais oui. Ouais là je peux plus. J'ai même pas pu courir en fait. Ah. Bon, c'est pas grave. Désactiver quoi ? Désactiver le... Ouais, vidéo. J'ai plus de soin, j'ai plus rien là. Aïe. Aïe, le jeu n'est pas en pause. Wow. Alors j'ai très peu de FPS, couvre-moi. Paramètres, vidéo. Ah, t'as eu la même chose ? Ouais, j'ai une baisse là. Le DLSS, qu'il y a un effet dans la grotte. Tu l'as dégagé ? Non, mais j'ai retiré le Nvidia Reflex. Et j'ai pas eu de problème. Ça va les gars, il y a eu un ralentissement. Non attends, moi il y en a carrément. Il y a eu un ralentissement carrément, il y en a qui ont dit F. Genre en mode c'était la fin du live, tu vois. Genre oh là là, ça va. Pété un plomb, il y a eu 5 secondes de ralentissement. Ça va. Oh, Hugo qui a pas le fusil d'assaut qu'on vient d'avoir. Pistolet de détresse en plus.
Tu l'as pas eu non plus, Link? Non, attends, c'est... Parce qu'on sait plus ce qu'est une vanne avec toi, là. On ah bah, regarde ce que j'ai dans les mains, et c'est violet, hein. Eh, c'est quoi, ça? Bah, un fusil d'assaut, classique. Ah, j'ai un Nova. J'ai un Nova. Regarde. C'est pas un Nova du tout, c'est pas un... Non, mais il s'appelle un Nova. C'est vraiment un Nova de clochard. Ouf, non, c'est bon. Ok, c'est bon, j'arrive. Mais t'étais parti manger ou quoi? Non, non, j'attendais que le chargement s'arrête, le temps que je meure. Eh bah viens, il y a des armes ici. Il ment, il est en train d'inverser les sables. Même pas, alors là... Il disait aux gens de cliquer sur non. le lien, non, c'est même sûr. Pas, même pas, témoin, c'est sûr. Témoin, même lien. Pas. C'est sûr. Oh, attends, je respawn là par contre, c'est une blague. Ouais, t'aurais pu me revive quand même, Thomas. Tu as le il y a des quêtes de crochetage là-dedans, gratuit. Ah, c'est parti pour la rando. Comment on fait pour c'est le... C'est un truc gris, genre on s'en bat les couilles, non? Mais non, mais il y a des kits de crochetage à récupérer dans le sac bleu. Ah oui, non, je parlais pas de ça. Ah bon? Ah, ouais. Vous êtes loin par contre, hein. Sac. Moi, je peux pas, je peux rien faire avec. T'as rien là-dedans? Bah non. Ça moi, j'ai deux rien. Kits de crochetage. C'est on quoi l'arme le... que vous avez trouvée par contre? Oh, c'est. Eh ben, on en a eu une chacun. Oh, oui. Qui est bleu. Non, moi c'est bleu ou c'est violet? Elle est violette. Mmh. Moi c'était violet. C'était un fusil d'assaut ouais. violet. Bon, bah, je garde mon fusil d'assaut bah, viens, merde. Peut-être qu'au même endroit tu vas trouver la même arme. Ouais, j'ai juste un petit c'est peu pas. De marche là. J'arrive. Hein. Ouais, t'as l'air un peu loin. Oui, bah, je respawn à la caserne. J'ai trouvé un truc de fou apparemment. Verrou de caveau. Ces artefacts psychiques qui contiennent des mèches de cheveux prises à une personne qui sont... On s'en fout. Vous êtes en surface ou vous êtes encore dans la grotte par contre? En surface. Des okay. bonus de régénération. Oh. Allez, on récupère. Ah oh, putain, il y a encore de la fumée là. Mais il est ultra lourd. Ouais, ouais. Je peux pas de mourir, hein. Je commence à le faire galérer. Ouais, en plus, on peut rien faire. Ça te fait respawn au checkpoint, donc ne meurs pas. Hop. Bah, je suis au crash d'hélico, mais j'ai comme l'impression. Ah, je vous vois. Est-ce qu'il est mieux ce fusil d'assaut? Attendez, du coup, là où vous y êtes, on y accède uniquement par la grotte ouais. ou il y a un autre accès? Non, par le dessus. Je okay. crois que tu peux accéder, en vrai. Oh, j'ai une faim de loup. Moi aussi, hein. Ah, ok, par ici. Oh, c'est quoi ces bestiaux là? J'ai un dilemme parce que j'ai faim aussi. J'ai deux tranches de jambon à côté de moi, mais elles m'ont filé la chiasse. Attends. Mais comment du jambon en peut gros, te filer la chiasse? C'est ça que je voulais savoir. Il y en avait 4, j'en ai mangé 2, j'ai la chiasse actuellement et j'ai encore faim. Mais comment on peut avoir la chiasse avec du jambon? Mais ouais, je n'ai jamais eu chopé. Même avec une viande, j'ai jamais chopé une chiasse. J'ai mangé coquillettes, jambon et j'ai la chiasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends. Mais c'est encore pire que ce que je pensais. Non, ça va, alors il date d'il y a longtemps, mais la date de péremption c'est genre le 10, genre. Et ça... Attends, et je... Mais il date d'il y a longtemps. Et... Tu l'avais laissé ouvert pendant très longtemps? Non, pas ouvert. C'est quoi la marque? C'est quoi la marque? C'est un... Il va nous dire Lidl, hein. Ah, ok, j'ai eu peur. C'est pas Fleurimichon, genre, c'est la marque Monoprix. Ouais, c'est la marque Monoprix. Bah tu devrais faire un rappel conso et prévenir Monoprix. Avec une photo. Tu fais une photo de ta grosse merde. Preuve. Par mail. Monsieur, ouvrez un ticket parce que là... mais il doit avoir... Ah putain, mais il doit recevoir des trucs comme ça. Moi j'ai des nourritures, tu vois, que je considère comme safe. Et ça, par exemple, ça fait partie de mes nourritures safe, donc je m'inquiète. Bah, non, mais moi c'est rentable. En vrai, les pâtes. Il y a un truc ultra safe. Les pâtes en général, c'est safe. Mais le jambon, par contre, j'ai jamais eu de soucis. Non, mais il y a deux jours, je me suis fait une assiette spaghetti pizza nuggets et j'ai pas eu la chasse. Fils de pute, mais pourquoi tu manges ça? Nuggets, tacos. Par contre, deux tranches de jambon, oh bah chiasse assuré. Alors là, les gars, je me sens pas bien. Non, mais c'est pour ça que je fais attention à rien parce que c'est aléatoire. Le mec il mange un petit oh putain, poussez-vous. Oh, par contre, le coulommier qui est dans le frigo depuis 7 mois, viens là que je te croque. Oh. Attends, mais l'objectif bleu là, c'est l'objectif ou. Mais non, mais le bleu c'est le putain d'objectif d'Hugo. Casse-toi avec ta pine bleue, Hugo là, va piner ailleurs. Bah, mais j'avais piné avant et c'était le bon objectif. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a un, il pine beaucoup. J'ai toujours un pin. Mais c'est Hugo, il pine. C'est moi le pineur. Mais écoutez, j'ai piné avant. Mais le dernier crash, c'est moi qui ai piné. C'est grâce à moi qu'on y allait, hein. Je vais à la caisse de ravitaillement. Terra, tu regarderas derrière toi. Hein. Oh, bah qu'est-ce que vous faites par là, mademoiselle? Oh putain, c'est Blade Runner. Ah, dégage. Voilà. Je confonds avec le film de vampire où il y a un noir qui tue tout le monde.
Blade tout court. C'est Blade mais sans runner en fait. Oh, vous ne lootez pas ? Tant pis. Loot quoi ? Caisse de ravitaillement. Oh putain, il a raison, il y a un truc à looter. Oh, c'est pour les munitions classiques. Bon, il y a un gars dans le chat, il a dit, il peut pas arrêter de parler. Ah non, pardon. C'est pidé, oh putain, c'est super vexant. Faut la fermer sa gueule, le Terra, là. Il peut pas arrêter de parler, l'autre, là. C'est littéralement ton métier, bah, dommage. Il est trop du tout streamer react, il parle une fois toutes les 15 minutes, pardon. Bah, j'aimerais trop être streamer react. C'est trop la classe des streamers react. Oh dommage, c'est un métier en voie de disparition à cause des claims. Pardon. Je me suis fait ban. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Aïe 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 aïe. Oh putain, faut animer live. Oh fait chier quand merde. Ah, ça peut pas être facile tout le temps hein. Ça c'est une arme pourrie. Pas d'ennui, t'as vu à chaque fois qu'on dit un truc, j'ai pas d'ennui, j'ai rien. Moi je suis très à l'écoute de ce qui se passe sur Discord. Je tends l'oreille. Voilà. Pour moi. Attends, mais on a fait ce qu'il fallait ou pas? On a trouvé un refuge. Générateur pour sécuriser le refuge. C'est ça le refuge? Bah, il n'y a pas d'objectif. Allumez le générateur. On va allumer le générateur. Je crois qu'on peut même pas y rentrer en fait au refuge. Est-ce que c'est vraiment ça le refuge? Bah, on a été jusqu'ici. Ça ressemble quand même. Je pense qu'il faut attendre que les autres finissent de causer. J'ai trouvé une porte. Ah, je suis rentré. T'as trouvé? On n'est pas du tout à l'endroit du crash en fait, les gars. C'est pour ça, je pense. Moi je pense que c'est pas là. Je pense que c'est pas là. Il y a beaucoup de l'or à l'intérieur, mais c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, par là. Ah non, c'est pas tout, c'est pas tout. Peut-être. Ouais, vas-y. Un peu de loot par hasard. Ah, ouais, tu me bloques. Ah, il veut pas nous montrer ce qu'il y a. Hein. Il y a quoi au rez-de-chaussée? Un jeu de plateau. Utiliser les cagouins, ça sert à rien. Un jeu de plateau. Bougie parfumée, ça sert à quelque chose. Oh là, vampire au rez-de-chaussée. Oh putain! Oh là, attention. Tiens. Ah, je voulais l'empailler. L'empaler. C'est pas ça. Il faut l'embrasser. Il faut empailler le vampire. J'ai pris une poupée, ça a de la valeur. Et ainsi qu'une en PV. Mais où est-ce qu'il est parti lui encore? Alors je suis dans le basement de la cave. Tu dis s'il y a du loot hein. Il y a du lore, il y a du loot mais c'est du loot, tu sais, c'est du petit lait quoi. Ça je digère pas par contre. Y'a que dalle. Oh, oh un petit peu. Ah un kit de crochetage pour ceux qui veulent. Ici. T'es pas censé pouvoir crocheter toi? Bah si mais j'ai toujours pas eu de proposition de crochetage qui était acceptée. Oh un mille pattes mais bleu cette fois-ci. Ouais je l'ai pris, j'ai pris. En bas Thomas. Ouais je vais en bas, je suis pas allé en bas. Et c'est ça? Et ça fait combien de dégâts? Attends le mille pattes il est mieux que notre fusée à pompe tout doré là. On va le jeter ce truc à la con. Bah si si, il a 15 de dégâts le truc doré, le 1000 pattes il a 45. Ça c'est gris ça, je m'en bats les couilles je pense. Mais attends du coup... Tout ce qui est gris ça dégage hein. Allez hop. Faites recycler hein. Ouais, gris ouais, je recycle. Nul. Du coup ça doit être là-bas le crash. Ah mais il y a un silencieux sur mon 1000 pattes. Mais je suis con ou quoi? J'ai jamais eu de 1000 pattes encore. Mais si c'est le petit pistolet de 1000 pattes. Je pense que je suis con hein. Je comprends pas. Attends c'est pas clair. Là c'est qui? Ah oui c'est de l'autre côté. Gratos. Putain mais c'est kit de crochetage à 1200 balles et ici on le trouve gratos. Ouais je suis dégoûté. Ah qu'est-ce qui se passe? Vampire. Il y a un truc là. Vampire. Bah ouais mais je vois des trucs, il y a des points d'interrogation. T'inquiète je gère. Ah oh. Ouais je gère par intermittence. Bah alors là je comprends pas. Il va exploser lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bon oh il y a un c'est un malade. Ok c'est bon. Mais dis donc je suis dans la merde. T'es pas morte? Faut crever hein. Il a mes genres le bousin hein. Vous pouvez la pioler ou pas la meuf derrière? Bah non mais elle revit cette connasse. C'est comment oh, ça non, se fait? Je me bats à la cave. Je ouais vais des fois ils revivent. Mais je sais pas comment les empêcher de revivre. Ah, attention Damien. Ah attention. C'est elle, vampire. C'est elle dont je parlais. Ah mais elle a de la vie hein. Allez hop. Ah bah voilà, là ça marche. Heureusement je peux mater le cul du vampire. Cul, ouais. Sur 20. Voilà, c'est bon. Ouais, il faut une arme avec un pieu. Ouais, il faut le... Bah... Le pistolet on a pas, mais mes deux autres en ont. Bon, je vais mettre de la lofi chill et je vais couper la musique du jeu. Oh, il y a un truc là. Ah mais je suis con, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ah merde.
Je crois qu'il faut qu'on retourne à l'autre truc de d'hélicoptère là. Tu vois lui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit ? Voilà, ma pine est au bon endroit cette fois-ci. Ça va Thomas ? Alors, faut que j'arrive à sortir. On repasse par le. Je te suis, mais. À l'étage. Je pense pas qu'il faut retourner. Mais écoute, il y a le deuxième sur ta map, regarde. Tu fais virgule. Fouiller les épaves des hélicoptères à la recherche de matériel survivant. Mais c'est pas ce qu'on a déjà fait ça. On en a fait une, il y en avait deux. Donc il faut aller sur l'autre. Ok. Et l'autre elle est là-bas. Bizarre de pas nous l'indiquer sur le radar en haut. Ralet Freak a composé 70% des prods du jeu. Ah. Bien dit ça. Y'a pas un zombie derrière moi là ? Tout à l'heure on va tuer un vampire. Un vampire. Ah, si. Double ration de frites. Vu qu'on est en 2015. Me gusta. Oh là. Oh. Je sais pas si ça a marché mais. À côté des vidéos explosifs, voilà. On a un autre là. Hein. Ah mais ça c'est du vampire ça. Y'a un vampire ? Là y'a un vampire. Tiens, dégage. Empale. Oh, on a tous voulu empaler. Oh Javel. Y'a du fric si vous voulez dans les chiottes. Du fric. Oh, beaucoup de papier toilette là. Bah c'est du PQ. Ouais mais ça se convertit en fric direct. Oh ah, des kits de secours là. La preuve que c'est pas partagé avec tout le monde parce que je l'ai vu le voler en direct. Ah bah faut dire ça à Thomas. Hein. Thomas faut. Et puis ça fait de l'argent hein, 75 pièces le PQ. Ouais. Ils ont fait ça en référence au Covid. Je me balade. C'est une boucherie. Oh. C'est bien ça. Vous voulez pas mettre en difficulté plus élevée? Ta vie. Bah je peux pas changer je pense. Attention Thomas là. Aïe 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 aïe. Le nuage de proue. Oh. Vous allez mourir. Non mais la difficulté va s'augmenter avec le temps. D'accord. Bon bah dis donc, c'est quoi que t'as comme arme ? C'est un fusil automatique. Bah regarde, il sert à ça. Tiens, va là-bas Bribon. Vas-y, je laisse faire. Voilà. Mais il caresse le... Il l'occupe, il l'occupe. Qu'est-ce qu'il fait avec sa baguette ? Ça attire tous les ennemis à proximité. Ouais, c'est stylé, hein. Oui, bah, c'est de pas le vexer, t'as raison. Tu peux dire ce que tu penses aussi, hein. Non, mais c'est super, ce qu'il fait, Mais il est extrêmement mignon, ce petit robot. T'es bien dans ton 11 mètres carrés, là. Oh, putain, c'est sympa. Oh, puis tu manges bien, des potes, du jambon périmé de merde. Bah, oh. Qui gêne le chemin, là. En face. Ils prennent cher, hein, pardon. Hop, hop. Je m'excuse à chaque fois que je tire. Bon bah, laissez-en pour les autres. Hein. J'ai l'impression qu'on est pas loin du crash. Bon bah, ils prennent cher. Hein. Bon, c'est vrai que. On a tendance à. Oh, caisse d'armes! Oh, bordel! Quoi? Comment vous avez fait? Non, c'est est-ce que c'est mieux? C'est non, c'est caca, c'est caca. C'est nul. Attendez, gris, mais c'est vous nul, pouvez mais... faire recycler direct. Hein. Hop là. Ah bon ? Pratique ouais. Ça. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Allez, ça recycle. Hop là. Bon, on va essayer des ennemis là. C'est la tenue des mercenaires de Bellwether. Même pas. Je me demande où était le repère. Une question de merde. Vie ou mort. Ah ! Bon. Qui gueule ? OK. Et ça ? Non. Trop de soins ici. Ah, oh mal, non, ça. C'est fini. Ah, je vais tenter un truc. Fusil à pompe. Ah, ah tu montres. Arroyo. Et putain. Oh Arroyo. Un sniper. Pardon ? J'ai eu un sniper violet. Toi, t'as eu un sniper dans la caisse. Ouais, un sniper violet. Ouais, moi aussi. Un sniper violet. Ah, moi aussi là. Ah bah voilà, tu vois. Qu'est-ce que je remplace ? Ça, je prends. Et bah eh ben, je vais le prendre deux snipers. Par contre, c'est un gris que j'ai eu, hein. C'est ça, mon qui se cale ? Eh bien, Terra, là. Ouais, c'est ça. Ouf.
C'est drôle. C'est drôle, je suis mort. C'est drôle. C'est, surtout... c'est marrant. Il est vraiment mort. Ah, je pensais pas que ça allait marcher. Bravo. Bouge pas de là, je vais t'aider. C'est le karma, Terra. Quel karma? Le karma, c'est pour les gens qui ont fait quelque chose de mal. C'est ce que t'as fait exactement tout à l'heure. T'as fait pas mal de trucs mal, en vrai. J'ai fait des blagues à des amis. On peut rire ou c'est interdit? Bon bah je crois qu'il faut qu'on retourne au truc. Hein. Ouais, c'est à un kilomètre. Un kilomètre. Bah ça va, un kilomètre, ouais. C'est cool. On peut pas se TP par hasard? Bah ça m'a proposé de maintenir T, mais je sais pas. J'ai une compétence. C'est quoi, c'est club de l'agricole? Attends. Oh. Y'a des dégâts de chute ou pas? Oui, y'en a. Ah, voyage rapide. Ah ouais, avec la carte? Ouais, sur le 8, venez près de moi. Ah, je sais attends, pas si ça vous l'a fait aussi ou pas. Non, attends. Ok, bah faites-le et c'est la boule de billard sur la map. Bon, par contre, là, je vais pouvoir acheter des trucs. Attends, mais... C'est sur la map? Vers l'est de la map, tu vas voir, il est marqué caserne. Vous l'avez construit toute seule, ce gros... Alors, est-ce que... Okay. Oh putain, il y a des grosses armes, par contre. Alors, caserne... Est-ce que ça, ça dégage ou pas? Bah là, je suis en train de regarder une carte. Ah, c'est bon. Caserne. Voilà, ça, je recycle cette merde. Et du coup, qu'est-ce que je peux m'acheter là? Est-ce qu'il me propose des choses intéressantes? J'ai pas assez. Un sniper vert, ouais, pourquoi pas. J'ai l'argent. Un poisson-ci. Il y a un lance-pieu là, vas-y, je prends. Poisson-ci. Et c'est où que t'avais acheté le truc, Thomas, pour le crochetage? Moi j'ai pas acheté mais j'en ai trouvé un même. Mais c'était C'était en haut? Là où il y avait tous les persos, non? Ah peut-être. Genre ici. Là j'ai ouais. Trouvé. Ah oui, ok, trouvé. C'est là mais j'ai plus de fric. Okay. Et du coup mon lance-pieu, comment je le mets? Ah, moi, je peux... ah ouais, j'en ai 3 sur 3, ok. Bah en vrai il y en a dans la nature, hein, j'en ai 3 sur 3. Ouais, par contre j'ai pas encore trouvé de trucs où on peut crocheter, hein. Moi non plus, à chaque fois que ça me décrochetage, c'est genre pas disponible. Ouais. Alors j'ai 3 missions. Sur les coffres. Bah des fois c'est des... je sais pas, je comprends pas pourquoi je peux pas. Ça me dit crochetage. Ouais, les gros coffres là normalement avant on en avait pas mal. Ok, on va aller dans une clinique. Il y a 3 missions dispo les gars. Je vous attends. Ma nouvelle compétence. Attends, je suis en train de prendre d'autres missions je crois. Mission secondaire, trouver le kit de réparation de la machine à popcorn, mais en dessous de notre gueule là. Ça c'est de la quête. Génial. Ok, alors on a soit... Situation funèbre, celle du milieu. Ouvrir l'avenir. Et bah voilà, bon bah, c'est choisi. Super. C'est dans une clinique. Je peux quand même pas chercher un petit gâteau. Les paluches, j'en reviens pas par contre. A dépensé beaucoup d'argent pour un gros souci. C'est un stand diaporama les gars. Ces mercenaires se rendaient à l'hôpital régional de Réfugiés. Ouais, c'est vrai que c'est un petit diapo, faut aller chercher un goûter. Putain, mais moi j'ai rien à bouffer. Ce truc doit être hyper embarrassant. Je vais quand même pas aller chercher ma salade de quinoa. Pourquoi prendre un seul gâteau quand on peut prendre le paquet? Ah, tais-toi, j'ai plus de gâteau. Fourrer la fraise. M'énerve. Ah non, j'ai pas fini mon gâteau. Mais t'as le temps, hein. Thomas, il est parti chercher son jambon périmé. Ah non, il est là. Double tranche. Je vous suis. Ouais. Attendez. Je joue avec la tranche de ma main. C'est parti. Je sais pas où on va, mais j'y vais. C'est parti. On y va. Oh la vache, la taille du bousin. Oh putain, toi aussi tu l'as? Le lance-pieu? Ouais. Oh 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 mec. J'ai un truc pour me TP. Où ça? J'envoie ça. Et là je peux me TP. Ah, ça va être ton pouvoir. Vous pouvez l'utiliser ou pas? Fais-le, refais-le. Ah, utiliser. Ah ouais, on peut, c'est trop bien. Ok. Et j'ai piné l'objectif. Si on sait pas comment aller à un endroit, bah on met ça. Ouh. Ah, par contre, on a de la trotte encore. Hein. Ah non, ça va, 200 mètres. Ouh, je vais pas aller là-dedans. L'épée de Thomas après le jambon. Une entrée là, par contre. Si tu savais. J'en reviens pas, par contre. Moi là, je suis content parce que je te dis, je t'ai dit, Hugo, mais moi hier,
ou avant-hier, je sais plus, mais c'était Bagdad, hein, dans le caleçon. Hein. Mais vraiment, c'est toute la journée. Hein. Franchement, c'était du matin où je me suis levé au soir. Sur mode, mais c'est une zone, c'est la zone 41. Faut... Non, mais moi je te dis, j'ai comme ça toute ma vie. J'ai honte c'est, et c'est j'ai, je suis allé, j'ai tapé rafraîchisseur d'air dans non assainisseur d'air dans Amazon. À quel point je mais j'allais vraiment pas bien. Ah non, je lag encore. Attends. Ah, arrête mais de laguer, c'est bon. Est-ce que c'est parce que t'as été dans le menu et quand t'as enlevé échappe, ça a lagué? Bah, je sais pas. Moi, c'est ça, c'est quand si je fais échappe et que je reviens dans le jeu, ça lag un peu, mais ça se calme au bout de genre 5 secondes. Oh, la musique, c'est pas vrai. Comment j'ai coupé, quand je fais échappe et que je reviens, ça lag moins. Ah, ouais, c'est l'inverse, moi. Les gars, il est peut-être temps de faire un. On parlait de crotte, de tout ça. Il est peut-être temps de faire un point. Combien de temps? 4 ans après ce qui s'est passé, l'incident que tout le monde connaît. Il est peut-être temps d'en parler 2 minutes et de savoir dans quel état on est chacun, hein. Il débrief. Atteint le stade où je suis nutritionniste pour essayer d'avoir un traitement adapté à ma nouvelle consommation. Ouais, c'est le pire, je pense. Hein. Toi, t'es non, je suis le seul qui, juste, pas comme vous, en mode. Oh, je suis la chiasse. J'adore. Vous avez un état d'esprit genre complètement freestyle, pas moi. Moi, je peux pas vivre comme ça. Mais c'est pas freestyle, hein, je me sens pas bien. Hein. C'est pas freestyle. Bah. Moi, j'ai un peu mal au ventre, mais tout va bien, genre, j'ai plus tard. Voilà, moi, je vais pas être dans cet état d'esprit. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Demain, dans 3 jours. Eh, mais putain, ça crépite, là. Non, mais par contre, ça fait crépiter vos voix, quoi. Le plus gros, je vais dire, effet secondaire du pis de la vache, moi, c'est l'odeur des proutes, c'est de la merde de chien. C'est de la merde de chien. Sûrement à cause de la vache. Mais j'ai l'impression qu'on a. Je sais pas, il y a vraiment un chien qui est venu chier depuis des semaines dans mon bureau et c'est insoutenable. Mais Emmanuel a dit rien. Oh, bah Emmanuel, c'est simple. Alors, désolé du terme, mais elle s'est craftée une chambre à gaz personnelle. Dès que je suis dans le lit, elle se fait une chambre tranquille sous la couette où elle est sûre de rien pouvoir sentir. Et c'est déjà arrivé où, dans la nuit, je bouge un petit peu, je lâche un énorme pet et elle se réveille juste après parce que j'ai bougé. Et puis elle dit, t'as pété là. Mais elle est dans un état second où elle rêve encore à moitié, mais elle sent que l'odeur la ramène à la réalité tout de suite. J'ai rêvé de merde. J'ai rêvé de merde. C'est ma chatte. Oh, le fils de pute. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre minette. Tu sais, elle est doucement sur le lit, elle dort, et là elle fait « Ah, mais elle a pété !» Et moi je suis en mode « Oh non, sérieux ?» Et tu mets une petite tapote sur le cul, je fais « T'abuses !» Je dis « Oh, bidette, c'est pas sympa quand même !» Oh, l'enfoiré là, je lag beaucoup trop, là. Essaye de baisser la résolution, au pire, Thomas. C'est certainement à cause de ton PC, qui n'est pas assez performant. Bon, ça c'est sûr, moi j'ai aucun problème. Moi c'est super fluide. Oula, Thomas, t'es dans de beaux draps. J'arrive. Le DLSS. Tu l'as enlevé ou tu l'as laissé? Bah là je vais le mettre parce qu'il y était pas. Mets-le en perf. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans la truc là? Je n'ai pas suivi l'objectif, je me suis contenté d'avancer. Oh. Bon. Putain, il marche bien le sniper. Bah, le truc à pieux par contre il fait mal aussi. Hein. Ouais mais à pieux mec c'est du one shot. Hein, ah oui c'est one shot. Bah écoutez, attends, je vais regarder l'objectif quand même. Je vais sur le méga toit. Trouver l'équipe de Bellweather. Dans le pire des cas, c'est un moyen de quitter l'île. 2 sur 100 le verrou. Pardonnez-moi. Naya vu. Je suis perdu là. J'ai compris. Ah non, c'est bon. Oh, caisse d'armes. Y a une arme qui s'appelle Moray. Hein. Ouais, Moray. Moray. Ah putain, je suis tombé. Ah, c'est peut-être sur l'autre bâtiment. Saint-Moray. Il y a des gens, visiblement, avec les points d'interrogation ouais, en dessous. En bas, ils sont. En bas ? Sauf que je ne sais pas comment on accède à l'étage inférieur. En bas, ils ont des questions. Forcément, un escalier à la con comme tout à l'heure. Ah, peut-être ouais. Ici. Là, level 0, level down. Miam. Bien, on dégage. Alors, les FPS qui sont un peu partis dans les chaussettes là. Les FPS qui vont certainement revenir parce que c'est mon PC qui est pas bien. Y'a des moments où ils ont pas envie, hein. J'ai tué le vampire, les gars. Mon jeu il est en mode bon, j'irai plus tard. J'essaie de descendre, j'aimerais trop vous aider, putain. C'est bon, je crois qu'il y a plus personne. Ah si, attends 2 secondes, je suis bientôt à toi, je suis mort. Bon bah, Thomas, ça fout sur toi. Ah bon bah, voilà.
Le PC a l'air de dire j'ai trop mangé. Faut me relever aussi. Merci. Il y en a dehors aussi hein. Ah mais c'est qu'il y a un vampire là. Ah ouais. Bon allez. Lance clouteuse dans ta mère. Ah. Oh. Oh putain de merde, je suis bloqué. Attention Terra. Eh ben. Mais je confonds les joueurs ennemis avec toi. Ah c'est. Oh là. Par contre, oh merde. Je vais mourir. C'est quoi X? Ah mais je peux me TP moi aussi. Ah non, hein, je l'ai mise dans un. Elle est oh. Vas-y vas-y. Non, voilà c'est bon. Je comprends pas ce que j'ai. Je pense oh, que c'est un jump. Quoi, ça c'est joli. C'est un jump en fait. Ah t'as un trampoline. C'est ton pouvoir ouais, à toi. Un trampoline. Attends parce que ouais. Moi aussi j'ai un X. C'est quoi? Ah. Ça fait quoi toi? Oh. Ça fait ça. C'est une grenade? Ouais c'est du C4. Ça vous a pas touché par contre? Non pas de dégâts. Ok. J'ai cru que tu m'avais fait un prank. Non non j'ai pas fait exprès pour le coup. Après, je voulais juste tester. C'est quoi l'objectif là? Faut trouver une équipe de mecs rescapés. Je cherche. Bon le lore on verra plus tard. Le texte, hein. On sait jamais. Oui bien sûr. Le lore est très riche. Hein. Vous avez trouvé l'équipe de Bellwether décédée à la clinique, mais il vous manque encore la bobine qu'elle recherchait. Ah. Cherchez la bobine dans le sous-sol de la clinique. J'ai trouvé le sous-sol les mecs. Eh ben c'est par là. Y'a du fric, fric gratuit. Javel 50 balles quand même. Allez donne. Voilà. Il m'emmerde mon robot à me suivre partout là. Oh 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 là, oh là, oh là, gros monstre. Il est là. Ah. Oh il s'est TP. Il s'est TP. Oh, il se déplace vite. Putain je vais essayer de lancer mon C4. Oh le malade. Alerte. Ça va péter. Oh la mort. Super. Bon, alors là... Ouais il se transforme en tas de cendres. En tas de merde. Porte barricadée. Putain comment on y accède ici? Normalement par il y a le une toit. Bobine ici. Oh ascenseur. Ah non ça marche pas. Ah, j'ai allumé l'incinérateur, j'ai fait peut-être une connerie. Non ça a l'air d'avoir ouvert la suite. T'es mort? Ah non c'est pas toi. Film, non, c'est pas ça? C'est bon je l'ai la bobine. Ah mais les gars vous êtes partis mais il y a un vampire sur ma trogne là. Non non tranquille. On arrive. Oh. Oh attends il va exploser. Mais pète. Voilà. On a gâché ton truc. Pas grave ça respawn vite. Du coup c'est bon on a la bobine par contre je sais. Et maintenant je regarde. Regardez le film d'Avum au cinéma Overton. Ah pardon. Ok au cinéma Overton c'est où? Je regarde sur la map. Cinéma... Clinique. Cinéma Overton, ici, j'ai trouvé. Du petit loot peut-être. Ça fait vraiment beaucoup de sang. Genre, ouais, il y a des, ouais, y a de des trucs à loot ici. J'ai l'impression. Où ça? Ça m'intéresse ça. Kit de soins ici. Ouais. Kit de soins ici. Ok, j'ai merci. Attends, t'en as combien Thomas? Moi je suis à 5, c'est bon. Ok, je le pique alors. J'ai piné le... Le cinéma c'est bon, faut retourner là-haut. On doit remonter ? Ouais. Oh Sinoche. Putain j'ai plus de pic pour mon lance-pic. Ah attends, ah mon plus. Putain, tu m'as trigger tout à l'heure à me dire que j'étais pas allé au cinéma là. Je vais aller au cinéma, je vais regarder de la merde. C'est bon ça m'a repris. Tu vas souvent toi Thomas ? Parce que du coup Damien je sais qu'il y va souvent. J'aime trop y aller mais enfin, regarde y a quoi beaucoup comme de merde à regarder là ? Comme merde ? Si c'est encore à l'affiche, il y a une Astérix avec un peu de chance, tu peux aller regarder. Tu veux pas aller voir Ant-Man, Thomas ? Tu vas kiffer. Oh, on va voir Ant-Man Quantum Mania. Ah, vous avez dit trop de trucs, j'ai envie de vomir. C'est le jambon, c'est le jambon. Non mais Ant-Man, hein. Ouais. Mais je crois que oui, il y a... Quantum Mania, Ant-Man, ça a l'air terrible quand même. Ah bah, ça vaut le coup. En termes de film de merde, ça se pose mais là. Gardien de la Galaxie, c'est sorti ? C'était aujourd'hui que ça sortait ? Non, ah, c'était aujourd'hui ? Je sais pas, il y avait les avant-premières il y a deux semaines, mais. On ah, peut-être aujourd'hui. Parler, bah non, tu vois, il y a eu. Mais de toute façon, les films Marvel, t'as vu, il y a plus de beurre. Hein. Pourquoi tout le monde s'en fout, genre ? Bah oui, maintenant c'est devenu une catastrophe. Hein. Bah après, c'est quand même. Complètement leur production. C'est quand même un peu attendu, les Gardiens de la Galaxie, par rapport à Ant-Man. Ah, c'est sorti aujourd'hui. Okay. Par rapport au reste, mais ça fait aucun boucan. Hier, tu ouais. Vois plein de gens parler ? Tu vois des gens ? Non. Ouais mec, personne n'en parlait hein. Moi je te dis, maintenant quand j'entends parler des films, c'est quand les gens ils vont à l'avant-première quoi. En mode, la visée là, faut faire un effort. Bon, ta mère, hop. Aïe, ça pique.
Mais par contre, le cinéma, je crois que ça fait 1000 ans que j'y suis pas allé, moi. Bah en même temps, le cinéma le plus proche de chez toi, il y a 40 minutes de route, non? Ah, t'abuses, il y en a un à côté. Ah, tu n'es pas dans la ville Lumière. C'est quoi à côté? À côté, c'est... À côté, c'est la ville juste à côté, c'est à 10 minutes ouais, en bagnole. Tu mets combien de temps? Ok, 10 minutes. Ouais, j'avoue. Et c'est chez quelqu'un qui a mis un grand écran chez lui. Ah, ce soir, oh bien, putain, hein, mais t'as pas du film récent, là, hein? Arthur, bah si tu veux, Arthur, elle est mini-voice, mais bon. C'est quoi cette merde? C'est la table de bière. Putain, waouh. Je crois que la dernière fois que j'étais au ciné, c'était Mission Impossible, le dernier, donc ça date. Bah c'était un très bon ah film. Ah ouais, quand même. Mais par contre, ça date, parce qu'effectivement, ça fait pas 2 ans, 3 ans qu'il est sorti. Oh, peut-être même un peu plus, hein. C'est super longtemps. Mais le beau Henri Cavill qui recharge ses bras dans les toilettes, je m'en souviendrai toute ma vie. Henri Cavill, grosse moustache quand il se bagarre dans les chiottes là. Ah quand non il mais secoue ses bras, là. Le move qu'il a, et en plus apparemment c'était de l'impro ça. Anecdote, il l'a fait pas exprès. Et apparemment, enfin ça rend trop bien la caméra quoi. Alors que c'est pourri comme geste. Moi ça fait vraiment classe. Moi j'ai essayé devant mon miroir, bon bah je me suis disloqué l'épaule hein. Non mais incroyable, Mission Impossible. Ah, ici, je crochette les gars. Attention, il y a du très lourd. Ah, tu crochettes un truc enfin? Bah, c'est un Deagle Moray, je crois, c'est pas ouf. Oh, Pigrèche, c'est quoi? Ah, bah, c'est un lance-pieu. Ah, on a pas les mêmes, mais ça me débecte. Oh, par contre, attends, j'ai le somme. J'ai dépensé 1500 balles pour un lance-pieu. Il avait 122 d'attaque, et lui, il a 453, celui que j'ai. Ok, nouveau crochetage en cours, les amis, ici. Oh là, il se régale. Et des munitions par hasard, t'en aurais pas? Mais non, je veux des munitions pour mon pieu, mais y'en a pas. Un Moray, ouais. Ah, fusil à pompe. Bon bah je vais changer de truc maintenant vu que j'ai pas de... Attends mais que doit-on faire là? Regardez le film au cinéma. Ah, c'est bien ou pas? C'est quelqu'un ça? On n'a pas regardé le film au cinoche? Personne. Non. Ah, moi aussi. Oh j'ai une clé du congélateur. Ah. Ouais, faut trouver le congélo. Faut trouver le congélo, il doit y avoir du loot. Elle venait de Tours la dame qui a congelé son bébé. Elle a été jugée à Tours. Anecdote. Le mec à la chèvre s'est fait tuer sa chèvre. Le congélo il est là. Où ça? Il y a des otages dedans. Ah, attends, mais comment vous avez réussi à accéder à une salle en bas? Je détache les civils. Ouais, non, mais... Je crois qu'il va falloir protéger des civils. Mais d'abord, vous pouvez me dire où vous êtes? Comment vous êtes passé par là? Mais dans la pièce où t'as crocheté, il y avait un escalier qui descendait. Oh, c'est vrai ça? Bien sûr que c'est vrai. C'était vraiment pas loin de là où t'as crocheté, ouais. Ah ouais. En plus, il y a du loot, il y a du fric. Hein. Ok, c'est bon. Il y a beaucoup de trucs. De fric, ouais. Je prends tous les guns, j'en ai. Décrochetage. En parlant de fric, merci encore à Bethesda. Ouais, merci de sponsoriser. Redfall, on rappelle, qui est disponible sur Xbox Series S, Series X, Game Pass, PC, faites-vous plaisir. Cliquez sur le lien, bah oui. Et tout de suite, c'est dispo, c'est là. Le lien dans notre chat respectif. Je permets de préciser, hein, parce que Avama, il a piqué mon argent. Allez, on continue. Je sais pas où vous êtes encore une fois, vous êtes remonté hein. Mais moi je suis putain, Thomas, dans le cinéma. Bah alors, projecteur, il est au-dessus là. Mais le congélo, il y avait un truc ou pas? Il y avait un truc. On a libéré des civils. Pourquoi j'ai pas comme ça, il y avait un truc ou... Ah j'ai le projo, c'est bon. Ok, vas-y, faut qu'on soit avec toi. Allez, je vous attends, je mange des gâteaux. Oh le bâtard. Il a des gâteaux, c'est enculé, et moi je peux rien bouffer. Je vais remettre ma main dans le paquet à gâteaux. Arrêtez d'avoir à proximité Michel des choses à manger, putain. Les gaufrettes Michelop. Michel et Augustin. Salope. Ah ok. Les galettes salopes. Mais c'est délicieux. Oh par contre ça a changé d'arme. Par contre on s'est pas chier. Michel et Augustin, excusez-nous. Hein. Ça a de la ressource. Ah bah. Oh, t'as fait des OP avec Bethesda et ça va acheter des gaufrettes. Hein, c'est tout. Ouais, quelqu'un peut crocheter ici s'il vous plaît parce que c'est bon, j'ai déjà fait. Ah merde, je suis descendu, dommage. Oh, t'es où Terra? Tant pis hein. Attends, je suis là en haut. Non mais j'arrive. Bah, t'es passé comment? Ah. En vrai j'ai des kits. C'est parti. Là. Pas encore un Moray. Vert, nul. De toute façon, je loot tout et je revends après. Hein. Le film en question. Encore un diapo. C'est pas vrai, hein. Sérieux, attends. Mais vous trouvez pas que Babylone est une ode d'amour au cinéma? Oh. Shrek est une ode à la couleur verte. Hop là. Tout looté. C'est vrai ça?
Il y a du fric à se faire là. Ah putain, y'a rien d'autre. Moi j'avais bien aimé le film sur Spielberg. Fablemans. Très bon, qui s'est fait voler complètement ses Oscars par The Crazy Movie by McFly et Carlito. Mais putain, elle a des doigts knackis. Mais attends, mais c'est des knackis les doigts, t'as vu? J'avais bien aimé celui-là aussi. Donc. Il était sympa, mais pas au point de remporter 8 ou 9 Oscars. Non, ouais. Ça fait beaucoup. C'était du vol. Non, mais moi je suis très content que mon petit. Tu lui donnais combien? Tu lui donnais combien sur 5? Tu lui donnais un bon 3,5. Moi j'aurais mis un 8 sur 10, tu vois, donc un 4. C'est parce que j'avais des choses que en vrai, attends, sur 10, non, 4 sur 10, t'as dit? Moi un 3,5. Non, 4 sur 5, mais moi j'avais vraiment bien aimé. Il ne méritait pas de rafler tous les Oscars. Ouais, de là à prendre 8 Oscars, d'accord. Il y en a un qui méritait un Oscar, c'est Brendan, et il l'a eu. De toute façon, c'était cool qu'il allait l'avoir, c'était vraiment pas mais la mais surprise de ouf. Heureusement qu'il l'a eu. Meilleur second rôle, l'autre Trimard. C'est qui le Trimard? Je sais même plus comment elle s'appelle. Mais... Mais enfin, je comprends pas là. Récupérer le cadeau dans le sous-sol de la caverne. Mais attends, la caverne, c'est on pas où on était. Caserne, pardon. Là on était au cinéma... Ah oui, fort. Voyage rapide limite, les gars. Limite Ghost TP en fait. Rapide, attendez, la caserne elle est où? Ah oui, elle est loin. Ah, oh, Jamie Lee Curtis. Ah oui. Jamie Lee Curtis, voilà. Ah oui, oui, oui. Je savais même pas qu'elle continue à faire des films. Bonjour à vous. Oh non, parce que personne la caste en fait. Ah, il s'agirait de prendre sa retraite, hein. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Merci de la popcorn. Je suis en train de construire, les gars. Ça fait rien. C'est une blague? Là? Ah, c'est bon, je l'ai. Du coup, ça débloque quoi? Une tenue de guerrier. Ouais. Bon. Guerrier du feu. Et d'XP. Attends, où est-ce que vous êtes? Parce que du coup. J'ai remonté le moral de toutes les troupes grâce à cette machine à popcorn. C'est l'heure du rewind. c'est l'heure du rewind. Oh, avec ce clip, on est sur le rewind. Oh, les gars, c'est popcorn, c'est vous. On n'y est jamais. Oh, moi, je veux Thomas Deser qui dise. Et on ne pouvait pas se quitter sans cette séquence où Terra allume une machine à popcorn. Y a pas à dire, ça ouvre l'appétit. Ah, énorme. Oh non, ça coûte trop cher de remplir les munitions. Récipient sang de vampire. Mmh. Ah, quoique, munitions pour l'autre là. Pour le lance-pieu. Ouais, pour le lance-pieu. J'ai envie, ça hein. Ça vaut peut-être le coup. Attends, parce que vu comment ça one-shot. Tu l'as looté le nouveau truc là? Quel nouveau truc? Bah, le nouveau lance-pieu qui fait 100 dégâts de plus que celui que j'ai acheté, dont j'ai le seum. Ça je prends. Ah, mais ouais, vous avez vu qu'on pouvait changer nos apparences directement dans le menu? Parce que là, je suis en train de changer ma tête. Non, je veux déséquiper ça. Guerrier de feu. Ah mais putain, mais c'est... Et voilà. Mais oui. Mais je veux déséquiper ça. Je veux déséquiper... Je veux les chaussures. Ok, je serai pompier. Ouais. Et comme sac à dos, je voudrais... Ouais, oh, il est un peu... Il est moins crazy que celui que j'ai, donc je vais garder celui-là. Légion polaire, c'est pas mal. Et tenue... tenue captivante. Parfait. Voilà. Les tenues, t'as dit, c'est où Terra? Vous avez un truc vestige sanguin à droite dans l'équipement, vous pouvez équiper du sang. Attends. Vestige sanguin? À part si vous devez le récupérer au sous-sol. Moi je viens de le récupérer, mais je sais pas si. Moi j'ai rien là. Moi j'ai mes armes, et c'est tout. Ok, sous-sol. C'est un truc qui donne genre. Qui augmente ta santé ou te donne des passifs. C'est pas mal. Ouais, mais c'est où que tu l'as chopé? Ça c'est moche. Ah, ça doit être là. Ouais. Mission secondaire réussie. Alors c'est où? C'est en bas? Ah, devant moi là. Ok, j'ai pris des petites fioles. Attends, j'arrive. Alors. Récipient. Et du coup ça on l'équipe et ça fait quoi? Ah ouais, vestige sanguin, je l'ai. Augmentation de santé. Des petits bonus. Vestige. Sérieux? Du mal ce soir. Je vais me remettre des munitions, hein. Je vais utiliser mon lance-pieu. Re-remplir. Je me permets de sortir de la caserne. Attends, t'as pas pris de mission? C'est cher, hein. Ah putain. C'est cher. Il fait jour dehors, c'est agréable, vite. Attends. Ok. Je vais chercher la mission. On fait quoi comme mission? Ah merde, je suis sorti.
Déposer alors... une montre sur une tombe, bon, faut aller se faire foutre. Bah non, mais la suite, c'est la maison des échos. Hein. J'arrive. Ok, bah vas-y, hein. J'accepte la mission. Faut que Thomas soit là et puis c'est bon. J'arrive. Je suis là. Hop là. Un diapo. Abuelo nous racontait des histoires horribles sur El Coco. Ah bah ça laisse le temps de manger un deuxième. Ah non. Une cinématique égale un goûter. J'espère qu'elle va durer longtemps par contre parce que je me suis dépêché pour le précédent et j'ai pas aimé. Je me suis dit tiens, petite commande de burritos après et j'avais oublié où j'habitais. Mais ce Peter Addison a dû faire quelque chose pour se transformer en l'homme creux. Ah c'est lui qu'on entend, d'accord. L'homme creux. L'homme creux. Ouais. C'est trop nul comme nul comme. Ouais, je pense qu'en anglais c'est plus stylé, mais bon. Oh non, c'est une blague, j'ai pris que 3 bouchées. Ah. Ok. Arrête de te plaindre. C'est pas fini. Non, voilà. J'en suis à la moitié. Ça t'apprendra. Oh, pareil. Ah, les gros gourmands là. Je me plains. Non, mais la souris va être très grasse. Alors, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Mission, entrer dans le manoir d'Addison. Ni de vampire. Alors, où est-ce qu'il est ce truc? C'est là. C'est piné. Ça te semble être quand même, hein. Ouais, bah on va le faire. Hein. Je vais le faire. Je mets une TP très très loin là. Oh merde. Ah mais attends, tiens, je vais mettre un bumper pour non, tester. Ah oui, tiens, vas-y. Alors. Ouais. Ouais. Bon écoute, si c'est pour rien, pourquoi pas. Ouais, bon. Ouais, on va laisser Link faire des TP, hein. Tu peux en faire un là, coup tu... C'est assez spécifique, genre quand est-ce que tu vas penser à faire un trampoline? Bah, si on veut accéder bah, à comme un il a dit, ouais. Inaccessible. Ouais, sur un toit, genre. Est-ce que tu as pensé jusqu'ici à mettre ton trampoline? Non, mais ça va pas tarder à arriver, j'imagine. Non, mais je peux le faire. C'est moi que tu travailles dessus. Comme mon robot, on hein. Je trouvais. Ah, on doit libérer un refus, certainement, on le fait. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Tiens, bah, si ça se trouve, ça pourrait nous être utile, ton merdier, là. Oui, regarde, je vais aller sur toi, là. Oh la vache! Qui c'est qui a fait ça? Attention! Bah ouais, c'était sûr ça! Ah, deux sur moi les coquines! Il y en aura pas pour tout le monde! Ah, mais attends, mais c'est. Ouais, là il faut que. C'est bon, c'est fini. Comment? Ok. Alors, y'a quoi derrière? Besoin de courant. Fusil d'assaut derrière! Fusil d'assaut, Smegma! Ok. Munitions, c'est quoi ça? Oh, le fusil violet! Il est là le basement! Ah, y'a du lance-pieux là, Terrasse, si tu veux. Oh bah oui. Ok, ça c'est générateur de refuge. Bah on va changer ça là. C'est bon, j'ai activé le générateur du refuge. Ok, on peut. Ah bah voilà. Ouais, on peut. Ah tu la salute. J'espère qu'il y a de la merde à l'intérieur. Radio. Kit, m'en fous. Ah du soin, c'est bien. Ah, on pouvait désormais voyager rapidement vers celui-ci. Ah c'est bien ça. Matériel ouais, ça, de soins, munitions. Du temps. Ah, si vous avez besoin de caisses de soins, il y en a peut-être. Mission du refuge. Il y a de nouvelles missions aussi. Et ici du soin si vous voulez, les gars. Ouais, c'est pris. Mission de refuge. Il reste de nouvelles missions. Ok. Ces trucs secondaires. C'est pas mal le refuge. Ça permet de se réfugier, quoi. Oui. Allez hop. C'est oh, quoi, ça veut dire quoi le vampire là-haut 40 là mètres là. Ouais. Y'a qui là-dedans? Et utilise ton attends, ton machin là. Je peux pas mettre une TP. Ah, bah là, ah attends, vas-y attends, TP. Regarde là-haut là. Hop là. Ah non mon bump. Oula. Merde. Ça a bien marché. il s'est cassé la gueule. Ouais mais je peux pas y accéder. Il faudra mettre un autre bump. Ouais bah attends 2 secondes et le temps qu'il se recharge. Dis-moi c'est quelque chose ça. Oh. Du loot là. Oh des munitions. Comment on rentre là-dedans? Ah. Y'a des échelles ici. Ah merde, ça. Oh, ça l'a fait disparaître. Putain, le bordel qu'ils font. Les Corbac. C'est les oiseaux du Discoc. Cinéphile. Merderie.
Je suis rentré. Tout quand ? Il y a quoi à l'intérieur ? Un boss, j'espère. Je suis sur le symbole, mais y a rien. Mais t'es rentré par où, Thomas ? Je veux même pas l'entrée. Moi, je suis rentré par une fenêtre, j'ai cassé. Ah oui, ok. Par des échelles derrière. Bon bah, ah ok. Il est peut-être caché le Vampax. Regarde, j'ai eu un logo de dents rouges en haut à gauche. Oh là, du sang de vampire vert. Moi, je le vois aussi là, au-dessus de la bâche, mais y a rien du tout. Ah. Ça donne quoi ça ? Réduit les dégâts au corps à corps de 9%. Ouais. Il met un coup de lance-pieu au bousin, ouais, on va voir. Oh putain. Il est où le vampire là ? Il est peut-être à la cave, hein. Mais quel fils de pute. Tu es trop fort sur Discord toi. Non, même pas. Je me suis écarté en plus. J'entendais un cliquetis et je me suis dit c'est quoi ça ? Et d'un coup ça a fait pout du nez et. La trompette. Ok. Bon, y'a rien, hein. Allez, je retourne à l'objectif. Hop là. Oh. Mais y'a rien, la gare. Ouais, y'a rien du tout. Non, pas grand chose. Bah, je comprends pas du coup. À go à l'objectif. 300 mètres. Non, mais c'est étonnant quand même. S'ils nous ont fait venir ici. Mais je ne comprends pas pourquoi ils nous ont fait venir ici. Après, il y avait le sang de vampire vert. Un petit loot. Ce refuge est tout à fait agréable. Et comment je sors de. Il est encore là-bas, lui. Mais repasse par en haut. Ah, c'est dommage que dans les bâtiments, ils aient pas mis des portes débloquables par l'arrière, genre en bas, oui. Pour ressortir vite. Pas compris. Mais un petit TP, Thomas. Allez. Histoire 2. Hop là. Oh, il y avait un rassemblement de vampires. Mais vous avez fait comment pour aller jusqu'à là-bas ? Bah, on a croisé personne, nous. Hein. Ah oui. Mais je suis attaqué par des. Ah, mais viens, on les voit, viens. Ils me poursuivent, hein. Oh, j'ai pas trop envie de retourner. Pourquoi en il est tout regarde, bleu ? Il est protégé par une sphère de magicien là. Ah, mais c'est un. Encule la sphère ? Aïe. Je tire sur le vampire qui fait la sphère, hein, mais. Et il prend rien du tout, cet enfoiré. Bah, il est normal, il est protégé. Oh, genre, je l'ai pas touché, il s'est baissé. Allez. Mais il prend rien ! Bon, c'est bon, tu peux le tuer maintenant. Ok. Je recharge. Oh, tu te fous de moi là ! Ah, voilà. Encore deux pieux. Ça dégage. Mais fait quoi l'autre ? Je m'étais mis une TP pour passer directement par la vitre, mais ça n'a pas marché. Alors, mission. C'est dans le manoir d'Addison, c'est pas du tout ici, quoi. C'est une grotte ou t'es monté ? Ah non, t'es monté. C'est où le manoir d'Addison en fait ? Hop. Alors, attends. Peut-être par là en fait. Comment il a fait Damien. Pour monter ? Ici. Non, je vais. Bon, d'accord. Hop. Mais c'est la caserne là. Ouais, en fait on est à la caserne, hein. C'est pas là qu'il faut. On aurait pu se TP depuis le début à la caserne. Mais qui a mis ce point là? Faut mettre c'est Thomas. Mais moi oui, j'ai pas de point, moi j'ai rien fait. Mais c'est ton point. C'est ton point. Mais il c'est date. Ton point qui est là. Mais enlève-le ce point. Pour enlever son point. Oh, mais j'en ai mis un autre, c'est à 600 mètres. Bah bravo. Ah bah super. Merde. Un retour sur nos pas en plus. C'est bon ? Eh, on aurait pu faire la même intro si l'émission de Domingo s'appelait Hot Dog, là. Trop dégoûté. Ouh, le petit Stanga Hot Dog. J'ai pas compris la vanne. Bah, c'est comme si l'émission s'appelait Pois Chiche. En gros. Et il y avait des pois chiches. Ouais, bon. Ça marche la vanne marche avec tout. C'est là, du coup, c'est pas vraiment... Bon, bah. On peut pas rire aux éclats, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Ça peut pas marcher à tous les coups. C'est une vanne. Est-ce que ça marche jamais ? Mais c'est impossible qu'elle soit drôle. Non, mais je l'ai comprise, hein. J'espère que je reviendrai plus fort la prochaine fois, du coup. Sur la bonne voie. On a des bons débuts, des bonnes bases, mais voilà. Écris les vannes la prochaine fois. T'as relancé une TP là ? Ah, oh, bah ouais. Hop là, dans le cimetière. Oh, c'est pratique. Alors, c'est là. Ouais, là mais maintenant, on est coincé dedans. Ah non. Mais c'était rouge, on dirait que ça. Mais c'est pas là du tout qu'il faut aller en plus. Ah non, un verrou du caveau, on s'en branle. Tu nous as enfermés dans le cimetière là. Oui. Mais non, ça saute.
Ah non, ça saute. Oh, c'est quoi ça? Oh là, par contre, tu peux nous en faire une TP? Ah, du coup, on a peur qui va super haut, c'est parti! Vous avez pris le verrou du caveau ou pas? Oh le mec! Allez, vas-y, allez, à ton tour, à ton tour! Hop là! Oui, bon, mais moi aussi je veux son pouvoir! Ouais, mais oui, mais c'est ta classe ou c'est un truc que t'as ramassé, je comprends pas? C'est ma classe, c'est sa classe! Ah oui, ok. Ah, il est bien! Ah, c'est bien! Réponds pas! Il est bien, hein! Oui, c'est ma classe! Elle est bien! Elle est bien! Bien ma classe. Plusieurs entrées. Oh putain la baraque elle est en suspens. Eh ben y'a qu'à se TP sur le toit. Non. Ah, les saloperies, y'a des saloperies. C'est quoi ça là? Regardez, on saute sur le toit comme ça. J'ai pas compris ce que j'ai tué. Vampire. C'est bon, ton trampoline a marché. Ouais il a fonctionné, c'est ah bon. Oh tout juste hein. On se fait poursuivre par contre hein. Vas-y on le laisse dehors, on le laisse dehors. Ouais voilà. Ah mais à l'intérieur aussi. Ah, il fait rien du tout le pompe! Ah, il est quand même beaucoup! Les uns font plus de dégâts! Ah merde! Merde! C'est ça que je voulais faire! Il y a que le lance-pieux qui est bien contre eux! Hein. Oh putain! À l'intérieur, je l'ai. Ah, mais arrête de bouger! Mais arrête de bouger! Bon, hé! Hey. Alors, j'ai l'impression que je fais peut-être un peu plus de dégâts quand je vise en FPS. Comment ça? Ils ont. Sans viser? Ben, je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus de dégâts si je vise. J'ai cette impression, en tout cas, je fais plus de dégâts là avec mon arme. Voilà, là il y en a un, le seigneur. Hop. Il prend que dalle de dégâts. Devant toi oh, là putain. Non, pas devant moi, un que j'ai esquivé. Je. Seigneur. J'ai plus de dégâts. Ah bah j'ai plus de pieux, c'est plus, mort. Là je fais pas de dégâts, bordel. Voilà. Putain, il parle pour ah oui, elle est là, seigneur. Tiens, un petit coup de C4. Elle me suce là. C'est bien ça. Seigneur. Oh, dans la tête quand même là. Non, sérieusement, il a trop de vie. Bon, il prend cher, il prend absolument rien du tout et. Il suce quelqu'un là. Là. Il me suce. Ah oh, c'est pas de toi en plus. Ah. Bon. Ah non, il arrive. Bon, bizarre. Attends, y'en a un autre là. Bon, Thomas, je te laisse. Ouais, je. On occupe. Mais ils sont trop chiants à bouger comme ça là. Mais comment on change le mode de l'arme, le mode de tir là? C'est horrible. On peut changer de mode? Bah je pense parce que là, je suis passé en... Seigneur. Voilà, c'est bon. Mort. Quelqu'un sait dans le chat? C'est horrible. C'est tout simplement horrible là. Voilà. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Ah mais il y en a un autre con là. Mais c'est pas possible, ils sont combien là-dedans? Je me soigne. Ouais, parce que X c'est la compétence. Je vais mourir. Et l'autre il fait sa popote tranquille dans l'escalier, il vient nous aider là. Attends, cherche ma alors, une tranche de jambon pour moi. Alors, bah là c'est très bon, genre de pain, salade. Ça fait sandwich, voilà. Ça c'est bon. C'est bon, y'a plus personne là? Ah bah maintenant elle tire en rafale, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire l'objectif? Ah ça je sais pas. Labo, il faut chercher un labo. Ouais. En fait, c'est qu'il faut rester appuyé pour faire une rafale. Okay. Hein? Avec la mitraillette? Ouais. Ouais, ça dépend de ton arme, si tu cliques une fois, ça fait du coup par coup. Ramasser une poupée, ça sert à quoi ça? Oh là, y'a une ça musique. Y'a Jay-Z là. Ah oui, et du grenier. Putain, on a pas la clé du grenier. Ça sort ou pas ça? Ok. On a une porte pour sortir, ça plus simple. Ouais, mais bon. C'est quoi cette merde? Ouais, on peut sortir là. C'est quoi ce bordel là? Ah, ok, sortez pas, en dehors il y a encore des vampires. Hein. Oui, il y a du monde. Je confirme. Et là-dedans on est censé trouver de labo. Ouais, il y a un labo quelque part. Après, c'est peut-être dehors dans une dépendance, hein, je sais pas, mais. Peut-être un labo secret. T'es qui toi? C'est une blague là ce qui s'est passé. Zombie. Vampire, sont pas des zombies. Je sais pas ce qu'il y a marqué dans le brief. Mais surtout pas dire zombie. Attention, très important. Ah mais j'ai pas de compétences pour leur faire des dégâts. Attends. Là je vais occuper avec mon robot tiens pour une fois. Oh bordel. Et rends-toi utile là, Bébert, je sais plus comment il s'appelle.
Genre un vampire s'est attiré par un robot comme ça. C'est horrible. Ouais, on en profite. Ça dégage. J'empale. Il faut pas l'empaler ? Je peux pas l'empaler. Ah ouais ? Elle est pas empalable. Elle a peut-être deux vies, tu sais. Putain, ton robot il prend trop cher. Ça, ça dégage. Un mort. Attention ! Bumper ! C'est bien utile là. Ça va tous les tuer, c'est sûr. Ah, ça, ça dégage. Empale là, cette code, non ? Ok, on bien joué. C'est bon, oui, c'est bon. Je sais pourquoi on peut pas parfois, je viens de comprendre. Il faut un pieu sur son arme en fait, c'est pour ça. Ouais, il faut un pieu sur son arme. Ah. C'est quoi ça? Bon, c'est pas moi qui me chargerai de l'empalement, hein. Oh. Ok. Ah, j'en ai. Bon, ça ne donne toujours pas l'endroit où il y a le labo, quoi. Ouais. Ah. Là, on peut casser. Ouais. Il doit être par là. Où ça? Ça peut aider. Ah, ah non, peut-être c'était pas. Juste pour récupérer un récipient. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu nous parles, toi? Il est bizarre, l'homme creux. C'est pas crédible. Non. Putain, le labo. Mais où est-ce qu'il est? Ah. Ah, attends, je suis dehors. Oh, je suis dans le labo. T'as trouvé? Comment il a fait? Oui. Ah. Où est-ce que c'est cette affaire? Oh, c'est, bah oui, ça a explosé. Tout est en suspens. Comme si l'univers s'était arrêté. Bon. Waouh. C'est le nouveau Stephen King là. Clé de la chambre d'Amelia. Oh, c'est beau. Bah, allez hop. Les jumeaux. Ah, mais d'accord, ok. Y'a rien à looter là, tu vas me dire. Pas de soins. Ça a rien du tout à looter. Il y avait un truc t'as là. Juste des kits de soins qui flottent en l'air. Tu sens pas parcours sur les. Eh, ce serait pas l'occasion de mettre ton bumper. Ah bah voilà. Non, mais c'est bon, il y a un truc exprès. Puisque mon bumper sert à rien. C'est là. Je te suis. Bah, tu quoi? Ça. Tu me quoi? Je te suis, j'ai dit. Ah, c'est parce que j'ai entendu. Vous avez entendu quoi? Ouais. Ouais, bah, j'ai entendu un truc coquin. Plus cool pour Link. Oh, j'en connais un qui va se faire lustrer le bout. Ah, les poupées, ça va être placé ici. Quelqu'un, l'autre poupée, j'en avais une. J'en avais une, ouais, mais attends. Là, sur, dans la maison de poupées. Ah bah non, en fait, j'ai déjà placé la mienne. Ah putain, il y a une poupée à placer, merde. Ah, il y en a d'autres en fait. Attends, on va chercher. Vous en avez pris une dans le labo ou pas? Vous avez pris une. Ah bah, on dit pas ça. Si, mais j'ai bien aimé faire l'accent belge en même temps. Mais c'est des vampires qui nous attaquent. Mais c'est dans le labo de l'homme creux, hein. J'ai pas vu d'autres poupées en fait. Non mais le problème c'est que moi la poupée Ah non. C'était dans un autre bâtiment qui n'avait rien à voir il y a longtemps. Donc attendez. Ça, c'est un truc bonus. Thomas, tu parlais pas de clé de grenier tout à l'heure? Si. Parce que je l'ai. Elle est où? En bas. Qui mène au. Ah mais c'est pas censé être en bas. Bah non, c'est en bas. C'est un grenier en bas. Bon. Ouais, franchement. Et pourtant, il me semble bien. Mais où? Ça se trouve, il y a une poupée là-bas. Où est-ce que j'ai vu ça? Une poupée là! Non mais la poupée tu la trouveras pas, je te dis, moi la mienne je l'ai trouvée. Moi elle était là, je l'ai prise, autre, prise là et je l'ai oui, mise. Bah, c'est parce qu'ils en ont mis une ici, mais je pense que les deux autres sont cachés dans la map loin quoi. Attends, je regarde quand même l'objectif au cas où. Ah, il faut trouver les poupées manquantes et il y en a trois. Bah attends, je comprends pas. Ah, c'est une blague, c'est une blague. Du coup, ça doit être par là. Ça? Non. Je vais fouiller tout en bas, c'est quoi? Là! Ah, j'arrive. Ça se trouve, il y a une poupée là-haut. Il y a un fusil de chasse gris, super. Bon, super. Attends, il y a encore un très truc content. Là-haut. Oh, du loot. Je crochette. Oh ouais. Un pont pourri. Lance-pieu bleu. Un Nova, c'est tout pourri. Lance-pieu bleu. Ouais. Ah, franchement, les poupées là, je trouve pas. Hein. Mais non, mais on va mettre des heures s'il faut trouver des poupées. C'est quoi ça? Du lore. Je pense pas qu'il fait poupée quand même. Poupée. Trouvé, il en manque 203, une. Ah, 203, ouais, donc il en manque une seule. Ah, là-haut, il y a un bousigouloum, là. Ah. Ah. Oh, putain. Oh, il prend cher, là. Ouh. Oh, je vous viderai goutte par goutte. Ah, j'ai trouvé la poupée.
Ah non, c'est pas la poupée du tout. Oh. Ah, je suis dans une petite maison d'enfant, à tous les coups, y'a... Y'a une poupée pas loin. Mais chier toi, là. Je suis dans une baraque faite par un gosse, là, y'a pas de poupée, tu vas me dire. Eh merde. Y'a cané, là. Faut mourir. Voilà. Ça se trouve, ouais, c'est dans le jardin, hein, terrain. Cherche, hein, dans les autres bâtiments. Je suis un chien ? Bah, c'est un peu la quête, hein. Renifle ton étruffier, là. Là, il y aurait grave une poupée, putain. Bah ouais, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a pas de poupée. Bah. Ou alors Hugo l'a trouvée. Mais ici. Non, c'était là que je l'ai prise. Ah bah voilà, putain. Il doit y en avoir une à chaque étage. Ouh. La musique, hein. Chut, Terra. C'est pas dans le brief. Ligne 3, ne vous moquez pas de la musique. Ne parlez surtout pas de la musique. Ah. Ok, je place la poupée. Il en manque bel et bien une. Ouais, mais où est-ce qu'on va trouver une poupée, sérieux? Ok, là, il y a tout pris. Ouais, ils doivent être dans la maison, c'est pas on possible. On va bien galérer à la trouver, je pense. Est-ce qu'il y aurait pas des indices à la con, genre des flèches? Non, est-ce que... Ah mais attends, à tous les coups les poupées sont posées où les poupées sont par rapport à la maison. Donc grenier, ici, et là, à l'extérieur, à côté de la verrière. Okay. Donc il faut aller dehors à côté de la verrière. Dans la verrière ou à côté? À côté de la verrière. Pas bête hein. Ah bah y'en a là-dedans c'est hein. Peut-être ça, ah c'est de l'autre côté de la maison. Peut-être, je suis sûr que c'est ça. Allez hop, cherchez une verrière près de la maison. J'ai vu voler. Ah ça doit être par là. Ah, c'est peut-être ici, non? Bah si c'est une verrière, oui. Ah bah elle est là, c'est dans la verrière, il dit que des conneries. Bon, voilà. On se voit qu'il y en a un qui réfléchit. Hop là. Normalement vous pouvez la poser, j'ai pas besoin de venir, je pense. Ah mais ça va nous dire que l'objectif doit être accompli avec toi. Mais j'arrive de toute façon. Oh, par contre je suis perdu, je sais jamais où faut aller. C'est là. Attends, en tout cas tout à l'heure on est arrivé là. Attends, là c'est grenier. Non, ça c'est grenier. Enfant non, de juron. Clé du grenier, voilà. Et hop après, là. C'était bon. La chambre d'Amélia. Et la chambre d'Amélia. Elle a réussi, mais c'est par où? C'est là où j'ai piné. Eh oh. Attends, là c'est la chambre de la gamine. Oula. Voilà. Arrête de faire bon, ça. C'est bon, voilà. Utiliser. Ah, ah bah voilà. Ce serait pas le moment de se regarder un petit... Ah non, même pas. Ah putain, on a pas eu... Ah non, je voulais un petit gâteau. Bon bah... Allez, le labo d'Ardisson. Il est où? En bas, non? C'est quoi qui se passe? Entrée de l'espace psychique. Pourquoi il faut encore être ici? Il faut qu'on aille dans le truc d'Ardisson. Statut de préparation. Bah, pourquoi il faut être là où je suis là? Tous les joueurs sont requis. Attends, on arrive Thomas. Bah, c'est là où on était, c'est ça le problème. Vous avez tous activé la maison de poupée? Ouais, ouais. Ouais. Genre, y'a rien à faire aussi. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Je regarde là. Mais... Oh là, ouais. Oh là. Oh putain. Amélia, luminaire. Ouais, bah... Luminaire. Ouais, oh là. Non, oh bah, un autre luminaire, que... papillon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, c'est bon. On progresse. Quoi? Vous faire quoi? Il comprend pas. Regarde, statut de préparation. Il y a que Hugo qui manque. Hugo, viens là. Mais je suis là. T'as mis la statue? Mais j'ai mis la statue tout à l'heure. T'es sûr? Pour qu'il y a que toi qui est pas coché. Mais c'est moi qui ai mis la dernière et la deuxième. Là, sur, à côté de la verrière, tu l'as mise ici? Mais oui, j'ai tout mis ici. J'ai rien à faire, hein. Vous aussi, il y a God qui n'est pas coché, c'est tout? Ouais, pareil. Ouais. Moi, je vois en objectif fouiller le labo du docteur Ardisson. Ah, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai... Tous les joueurs sont requis, entrée de l'espace psychique. Donc, ouais, je le vois aussi, mais dans l'espace mission, je vois ce que je vous ai dit. Ça dit quoi, la mission? Ouais, vas-y, bon, on va faire la mission. C'est pour ça que c'est bizarre. Okay. Où est-ce qu'il était, le truc éclaté, tout à l'heure, là? C'était en bas, non? Je me rappelle plus. La salle où on a sauté. Et pourquoi il y a un truc d'interrogation, là? Ah, vous l'avez plus d'afficher, là, le truc. Machin requis. Non.
Non, non. Non, mais parce qu'on s'est éloigné de la mission, oh, c'est pour ça. Oh, mais tout est éclaté. Alors. Et pour moi, c'était là, le labo. Je suis con ou quoi? Labo, c'est dans un coin de... Oh, on était à 2 minutes. Pas là, peut-être? Non, labo... Par là, ouais. C'est... Par là, c'est là. En rez de chausses. T'as trouvé, Thomas? Et il faut la clé du labo. Bon, on l'avait pas tout à l'heure. Clé du labo. Clé du labo. Papa's lab. Où est-ce qu'elle est, cette clé, là? Il y a un indice dans la mission qui dit où est la clé du labo. Ça se trouve, c'est dans un des nombreux journaux. Attends. Peut-être qu'il fallait que je joue du piano. Appuyez le manoir psychique pour la clé du labo. Ça dit pas. Faut fouiller le manoir psychique. Mais on est dans le manoir psychique. C'est le manoir psychique. Mais c'est bel et bien là. Donc, voilà. On devrait le voir, là, si c'est. Ne dis pas qu'il y a encore une poupée à trouver. Non, c'est... Enfin, faut revisiter toutes les pièces parce que tout a changé. Imaginez qu'en fait la clé elle est donnée dans la maison de poupée, sauf que la mission marche pas, donc on n'a pas la clé. Les manches pêchées. Oh, mais c'est là où il y a les points d'interrogation tout à l'heure, où faut aller dans oula, le grenier. Je suis dans une cuisine hantée. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Un manche pêché. Ah, on est d'accord. Voilà, ouais, c'est quoi cette histoire? C'est un manche pêché. Attention, ça va exploser ça. Il y en avait un là-haut aussi, je crois. J'avais vu des points d'interrogation à l'étage. Hop là. Je vais au niveau du grenier. Oh. C'est là. Une cinématique. Des unités fantomatiques. Vous avez une cinématique? Moi j'ai rien. Hein. Oui. Comme dans Watchmen. Bah. Ah, le mange mort il est là. On sait jamais. Oh mais il se téléporte en plus. C'est bon Amélia là, ça. Ça m'a saoulé là. Fais chier. Ah il est là. C'est encore au-dessus. Moi je suis en train de tirer sur un mange mort là. Voilà, le deuxième est mort. Faut trouver le troisième. Ouais. Ah, il y a la verrière dehors. Peut-être y aller, il est peut-être là le dernier. Il y a la verrière, ouais. Je l'ai vu à la fenêtre. Oh, il y a un petit chemin jusqu'à la verrière. De toute façon, c'est dehors, donc je vais faire le tour de la baraque. Pas là pour rien. Ouais, il est là. Ouais. Voilà. Allez, hop. Donne-nous la clé. Mais dis pas que c'était optionnel. Avec les manches pêchées, on peut comprendre un truc normalement. On peut voir quelque chose. On peut voir je vois l'écho psychique, moi. On peut voir comment le vampire quoi, a perdu son humanité. Genre. Soigné. Ah, mais c'est bien. Vous voyez le fantôme aussi? Ouais, je un vois. Papillon. Comment on appelle les collectionneurs de papillons? Ça porte un nom précis. Un nom chiant, je crois. On les emmerde. Hein. C'est quoi le nom de gens qui collectionnent les insectes, là? C'est joli. Tuer les papillons. Oh, c'est pas vrai, on n'a pas récupéré tous les échos psychiques. Bah, je crois. C'est hein. Peut-être pour ça qu'on n'a pas le truc final. C'est pas récupérer les échos psychiques de l'homme creux. 1 sur 3. Parlez surtout des échos psychiques. S'il vous plaît, ne parlez pas mal des échos psychiques, s'il vous plaît. Peut-être là-haut. Faut encore monter. Là où vous avez buté le premier mange-mort, c'était pas là? Je pense qu'il y a un truc au grenier là. C'est peut-être là où je l'ai tué du coup. Tu penses qu'il y a un truc au grenier devant la maison de poupée? Ah bah oui. De souvenir. Ouais. C'est là? Là il y a un écho psychique à voir. Ah bah c'est moi en fait, j'ai oublié de le ramasser. Mais on peut pas le... On peut le voir mais on peut pas le regarder. Je l'ai vu. Je l'ai pas regardé. Pourquoi on peut pas? Attendez, c'est bon. Ah, c'est toi. C'est parce que c'est toi, ouais. Il faut appuyer 3 fois, ok. Leve-la, l'écho psychique. Amélia, c'est le moment du papillon. Bon, allez. Amélia, j'ai brûlé ton papillon, ok, c'est bon. T'es enfermé dans ma cage, Amélia. On
fait ça depuis des années maintenant. Je sais que tu es une gentille petite. Oui, bon. Et après, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Oh, le parapluie. Ah, il me saoule, mon robot, elle me siffle tout le temps. Tu peux pas lui dire reste là? Tiens, au coin là. Oui. Putain, mais Bribon, calme-toi. Ok, je crois que c'est bon. Récupérer les échos psychiques, c'est bon? C'est fait. Oh non. Encore un écho psychique? C'est là où t'es... Ah, la clé du labo, on sait où elle est. Je crois que c'est là où tu l'as tué, Thomas. Ah ouais, la clé. La clé à 20 mètres, à 20 mètres. Elle est genre là. Elle doit donne être... la clé. Oh, bien j'ai joué. C'est bon, on descend. D'accord, mais quid de l'écho psychique? Non, non, c'est pour du lore. Ne touche surtout pas. Ne touche surtout pas. S'il vous plaît, ne regardez pas le troisième. Attends, je vais le chercher. Non? C'est par là. C'est bon. Par là. Voir. Faut venir avec moi pour qu'on puisse voir l'écho. Ah bah allez. Si c'est si gentiment demandé. Le labo est de retour. Je veux le voir. Ah, bon, quelqu'un peut le faire là? Parce que moi ça fait rien. C'est je veux le lore. Non, mais ça va le faire à la fin de la ligne, je pense. Vocal. Appuie là. Ça va. Bah écoutez. Moi je vais appuyer. Hein. Ouais, j'appuie hein, sur eux. Cage. Raté. C'est bon? Ah, mais c'est ta cage de merde. Ah, on voit le souvenir là, c'est bon. C'est bon. Ah, ok. Je sens plus mes bras. T'es ridicule. Ta gueule. J'arrive plus à bouger. Attention, il pleut. Où ça? Amélia. Ouais, c'est pas ma meilleure non plus. Oh, mais c'est le moment de régler ses compétences. On aura eu chacun un moment de faiblesse. Ah d'ailleurs, mes compétences, j'ai absolument rien fait. Hein. Alors que j'ai combien? 2 points, c'est énorme. Et maintenant okay. C'est bon, on a la clé? Ah non. Hardisson, c'est bon. Prendre le cathéter. Le cathéter, hein. Cathéter. Il a 5 mètres, mais je le vois pas. Ok, c'est bon, je l'ai. Maison de poupée. C'était là-haut, la maison de poupée, non? Oui, c'était tout au grenier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non mais... Je suis fatigué. je comprends l'état. Ok, je suis à la maison de poupée. Je suis. Moi aussi. Ça va Thomas? J'arrive, je suis en train de faire mes compétences. Petit biscuit. Petit biscuit, allez. Mais j'ai en train de rouler ma souris dans du jambon. Putain mais c'est loin sa chambre de merde. J'ai mis des pommes de terre dans mon jambon. Mon sperme est jaune. Voilà. Wouhou. Ah. Bah, on a pas de... pneumatique. Ah maintenant c'est au début des missions. Ah, Jay-Z. Ah bah on retourne à la caserne, appuyez sur T. Directos. Oula. Oh. Oui, j'ai eu la même réaction. Oula. les tableaux. Eh ben. Je pensais qu'il y a du monde sur la caserne. Ah bah écoutez, je pense que c'est le moment parfait pour conclure. Ouais, bah on conclut. Ah bah en tout cas, merci Bethesda. Merci à Redfall. Oui. Qui est dispo partout. Sur Xbox, ouais, Game Pass, PC, tranquillou. Sur de... Il y a un mode solo, hein. On n'a pas dit, mais il y a un mode solo. Ah, bien sûr, il y a un mode solo. Jusqu'à 4 la coop, on répète. Monde open world. Voilà, Bah, c'est râpé, hein. Ouais. Cliquez sur notre lien.
Cliquez sur mon lien également. Cliquez sur mon lien. Sur mon lien. Et allez, on finit sur la machine à popcorn pour être sûr d'être dans la prochaine dans émission. A bientôt. Voilà. Ah bon, voilà. On peut couper. On peut couper. On peut couper. Ah bah voilà. Voilà. Le... Et jeux vidéo. Et puis voilà, et puis tout le monde est content. Et puis c'est ça aussi. Ils arrivent au c'est gueule, ça aussi. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ah bah on conclut, on conclut. Bah bureau. Bah pareil. Bah avec fond d'écran pour moi là. Ah. Ah mais ouais, mais comment terminer donc comment là. Voilà. Finir. 40 minutes pour se terminer, il y a rien qui se fait en 40 minutes, c'est pas possible. Petite Psy Hunt. Oh. Oh, c'est trop hardcore gaming, Hunt. Ah, quoique, Hugo, attends, il a son petit niveau aussi. Attends, hein. Mais je l'ai pas installé, je l'ai désinstallé. Pourquoi tu l'as désinstallé? Oh, c'est dur de désinstaller Hunt quand même, c'est mal. Ah, c'est vrai, ça, pourquoi désinstaller Hunt? Attends, je cherche un trésor et je suis à toi. Oh, le Golden Gram, c'est attends, j'essaie de l'installer, voir combien de temps ça peut durer. Bon, bah, autre chose? Oh non, mais ça... Un petit CS J'ai pas fait de CS depuis une éternité. Moi pareil. C'est hein. quoi, ça me tente parce que là, tu m'as dit ça et je trouve ça sexy. Une petite game de CS. Tellement longtemps. D'ailleurs, là, attention, si tu n'as pas remarqué, mais tous tes skins ont pris de la valeur. Moi, oui. Les couteaux qui valaient 300€ en valent plus de 1000 aujourd'hui. Mais moi, j'ai plus de skins, j'ai plus rien en vrai. Bah, t'as pas tout vendu. T'as tout vendu ? Non, j'ai pas tout vendu, mais j'en ai très peu, genre. Mais t'as on des avait skins, beaucoup, t'as des j'avais cuts, beaucoup Gamble avec, hein. Gamble. J'en ai un, genre. T'as regardé combien il valait ton couteau? Non, je vais regarder. Parce que j'en avais un, il coûtait 250 balles, là, il a 800. Donc check, hein, y a forcément un truc qui vaut cher ouais, maintenant, ton inventaire. Oh, putain, CS, je sais plus jouer au jeu. Doppler. Collection, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas lancé le jeu. Il est cher. Hop là. Combien? 1200 balles. Ah oh, putain. Oh putain. Ah t'as fait une value toi. Il était à combien avant tu sais? Regarde sur le truc, le marché. Regarde sur le, ouais, sur le graphique que tu mets depuis le début. Existence. Il était à 350€. Ah ouais. En effet c'est pas mal. Ah pas mal la plus-value. Mais pareil, j'ai un Doppler aussi, c'est celui qui a le plus, wow. qui a le plus pris. C'était quoi? Ah ouais, merci pour l'info. Bah de rien mon gars. Putain, vous m'avez fait gagner 900 balles avec cette info. Mais y'a pas un endroit c'est où on peut les vendre les... Bah, si, t'as des sites et t'as le marché Steam de base, mais... Ouais, c'est ça. Tu peux pas filtrer... Les stylettes. Ouais. Si, tu filtres avec la catégorie que tu veux. Ouais. Ah. Tu vois mon inventaire, ça se trouve ça a augmenté de prix hein. Moi c'était 1000 balles, ça j'ai vraiment encore. Pas grand chose hein. Putain, je vais regarder aussi. Je crois que c'est vraiment mon seul truc bien quoi. C'est horrible. Ouais, je crois que c'est que les couteaux surtout. Je suis deg. Attends, est-ce j'ai 4 c'est... couteaux. Inventaire. 810, 300, 1000. Ouais, c'est pas mal déjà. 400. 886. Ah, 830. Et l'autre 300. Par contre, les skins d'armes, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup augmenté. Hein. Pas tous. Ouais, quand même. Il y en a, ça a pris quand même un peu de valeur, mais... 36. Oh bah, j'ai rien dit. La M4 de David Lafarge, là, c'est important de retirer, elle vaut 300 balles. C'est pourquoi David Lafarge? Mon AK, circuit d'injection, elle vaut 631. C'est quoi, circuit d'injection? Bah, je sais même pas, j'utilise pas, c'est une AK en or. Mais je vois même pas la gueule qu'elle a. J'ai un vieux sticker à 64 balles. Ah, les stickers genre d'événements, ça coûte extrêmement cher. Hein. Moi, les stickers, ils sont collés à l'arme. Mais je me souviens, j'avais un sticker que j'avais vendu ou je sais pas quoi, où je t'ai dégoûté, ah oui. La Terra, je sais plus. Ah, tu l'as... Oui, bah, c'était des trucs des IEM, là, ou je sais pas quoi. C'était quasiment le truc le plus cher de CSGO. Et je l'avais perdu, je sais plus comment. C'est comme il y avait des caisses aussi, je crois que c'est les caisses souvenirs, ça valait genre, je sais pas, une centaine d'euros, même plus. Ouais, bon, le skin à 14 centimes, bon, bah, merci. Ouais, pardon, je vais lancer, mais j'espère que ça va marcher. Hein. De quoi? Parce que moi, la dernière fois que j'avais essayé de jouer, il y a longtemps, ça marchait pas. Ça me mettait une erreur.
Attends, parce que t'as pas le bon rang ? Non, non, juste les serveurs en mode, ça me disait, bah vous avez pas le droit de jouer. Vas-y, lance. J'ai 8 capsules de stickers à 30 balles. Oui, voilà, mais c'est ça. Des trucs les capsules, ça. Les stickers. Mais après, ça dépend. Genre, si tu les ouvres et que t'as un putain de sticker, c'est encore plus cher. Encore plus cher. Ah ouais, c'est bah ouais. Ouais. Le sticker LDLC, apparemment. En mode approuvé, mais je m'en fous, ça. Oh, attendez, ah bah non, du coup, je peux pas jouer. Ah, il faut. Vas-y, réinvite-moi. Ça m'a jarté, je vais être obligé de relancer. J'essaie de vous le capturer, vraiment. Je donne tout. Ah, ça marche ? Sans moi, ça va peut-être pas marcher là. Il me disait de relancer le jeu en mode sûr. Vois, impossible de joindre les serveurs officiels et ça me met cette erreur là, et c'est à cause de moi. C'est quoi l'erreur que ça te met ? Impossible de joindre les serveurs officiels. Et ban. Bah alors, t'as ouais, mais pourquoi ? Banni. C'est pas parce que t'as pas le mode sûreté d'activer ? Comment on fait ? Attends, je sais pas, le mode Prime ou je sais pas quoi. Redis-moi l'erreur que t'as. Impossible de joindre les serveurs officiels. De joindre. Justement parce qu'il a mis un paramètre de lancement. Ouais, un truc. Faut pas mettre, tu sais, peut-être le truc, un truc ouais dans les le truc du launch là dans les propriétés. Ouais, moi j'ai je pas rien dans mon launch. J'ai aucun pas truc dans mon launch. Ah ouais. Bah dans ce alors cas. C'est soit un problème de tout retour, soit ton antivirus qui bloque. Ouais, j'ai du mal à croire à l'excuse de l'antivirus en 2023 quand même. Éteins ton routeur pendant 5 minutes et ensuite rallume-le. Ça marche. On va faire ça là. Cool. Je suis chez Free. Il faut configurer sa box pour avoir une IP fixe. Ah, est-ce que t'as déjà rejoué à CS depuis que t'es chez Free Non. Ah bah c'est pour ça. C'est du coup c'est ton IP. Sérieux qui... Faut que t'aies une IP fixe. Mais Xavier. T'es chez Free aussi Hugo. C'est quoi bah, ça. Bah ouais, mais ça se trouve c'est pour ça qu'aussi il m'a demandé de redémarrer. Mais comment on fait pour avoir une IP fixe? Ah bah faut que tu configures ta box. C'est la merde un peu genre. Non mais en plus c'est le jeu qui est con parce que une IP dynamique c'est du pain béni pour les streamers, je veux dire pourquoi s'en passer? Si vous comprenez que le problème persiste. Alors ça se trouve le mec il dit ça mais c'est pas du tout pour ça que tu peux pas non plus hein. T'as un antivirus? Bah oui. Essaye de le désactiver, mais bon, si ça marche pas, tant pis. Hein. Ouais, j'annule la recherche, je désactive l'antivirus, mais à mon avis, c'est de la couille, hein. L'histoire d'antivirus. Ah, je là, pense aussi. Hein. C'est vraiment le redémarrer votre box. Hein. Non, mais les options de lancement, Marcel, serait pas ça, parce que moi, ça fait des années que je les ai, ça bug pas. Ok, à tous les pirates du web, j'ai plus d'antivirus. Oh my. Ah, si c'est ça. Ah, attends. Non, c'est encore en jaune, moi. Moi, c'est tout vert. Ça te met l'erreur ? C'est en jaune. Bah ouais, impossible de joindre les serveurs officiels. Oh bah, c'est mort du coup. Bah, mettez-moi les serveurs non officiels alors. J'avais ce problème avec un VPN. Oui, mais enfin, il est pas sur VPN là. Si, grâce à NordVPN. Faut pas dire NordVPN. Ah mais je... Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Problème. Tes options de lancement sur Steam ont peut-être un truc qui bloque. Mais non, mais j'ai aucune option de lancement sur le jeu. Je vais les revoir, mais... On va revoir. Je sais que la dernière fois, j'avais checké justement et il n'y avait rien. Propriété... Après, ouais. Le seul truc, la seule option de lancement que j'ai, c'est console. Ça va, c'est pas... Ouais, non, ça fait rien, ça. Après, les trucs que je t'ai dit, là, ça date de 2018. Hein. Donc bon. Mais ça se trouve, je t'ai dit, c'est ta box, hein. L'IP qui varie, c'est à cause de ça. Hein. Ce truc, j'ai un problème. Cool, non, apparemment, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres gens qui ont le problème et ils sont chez Free. Donc, il y a un lien. Et en gros, il n'y a pas de solution. Non, faut que t'ailles dans les paramètres de ta box et que tu paramètres ah une ouais, IP non, fixe. Ah ouais, non, ça me rappelle, je sais plus quel jeu où on avait essayé de modifier ça. Putain, mais moi je me rappelle, c'est oui, c'était à l'époque, mais c'était quand j'étais au collège où il fallait que j'ouvre des ports sur ma box pour bah pouvoir oui, jouer à Call of Duty, ça. Donc bon. C'est... Oui, on va jouer à Destiny 2, ouais, ça marche. Mais non, mais c'était Destiny 2 où j'avais des problèmes, ils disent pas ça. Ah d'accord, ok, je pensais... Ah, j'ai une petite idée, si je peux me permettre. On peut proposer un jeu ?
Bon bah, on y a pas un jeu sur navigateur à faire genre. Comme bah les trucs comme photo machin Terra. Hunt Showdown. C'est quoi photo? Mais le truc photo, le vieux le truc des vieilles photos, c'est classique. Oui, on peut faire ça, on est trois cerveaux, on peut faire ça. Ah bah voilà. Bah l'un qui stream, vas-y. On lui partage le Discord et Ah bah voilà. Vas-y, attends. Oui, le Dino Google bien sûr, ouais. On va faire ça. Comment il s'appelait déjà photo? J'ai zappé. Chronophoto. Chronophoto, ouais, c'est ça. Alors. Ah, un petit deceive, ouais. Chronophoto. Ah, un deceive, c'est classique aussi. Oh là, est-ce que j'ai encore deceive? C'est. Je crois que je l'ai désinstallé aussi, mais bon. Putain, la première fois qu'il sortait un excellent jeu. Voilà, les développeurs vraiment, indépendants. Missionnaire. voilà. Ok. J'ai... Mangeur de jambon. Bouffeur de merde. Ok, c'est bon. Hop là. Regardez. Voilà. Oula, alors, bah alors, oula. Alors là, bon. Ça me rappelle à l'ombon. Superbes époques. Là, à on l'ancienne. Est sur du. Bon, on est sur du 1937. Hein, ouais, j'aurais dit 30-40. Hein, si tard. Bah. Oh, vous êtes. Vous y allez, là, mon gars. On est sur du 1937. Ni plus. Les ni petites moustaches, les petits chapeaux. Les petits chapeaux, peut-être. Ah, vas-y, moi je tente 1024, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Enfin, 1124. 24. Bah, non, fais la moitié, fais la moitié, fais la moitié. Non, c'est mettre pas la moitié. Mais c'est 37, je vous dis, putain. On doit mettre entre les deux. 29. Et toi, t'as pas d'avis? Si, 1931. Ah, bah voilà. C'est au milieu. Alors, qu'est-ce que. Bon, et où? Bon. Excuse-nous, next. Le Vioc. Pour lui, c'était hier. Oh, ça c'est les années. Oh, oh regarde les bagnoles. Mafia. Bagnoles. C'est les années 40, ça, les années 50, 40. Mafia, c'est quand? Je sais plus quand est-ce que c'est Mafia. C'est ah, juste après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Les années 50. On est en 47. Attends, il y a peut-être une date sur le truc là. Carousel. Non, 40, c'est trop tôt. Ah non, je vois rien. On est en 50. On est en. Ils disent 40-50 les années Mafia. Tente un petit 50, ouais. Hein? On est en 1948. Oh, 49. On est en 1949. Oh la stat qui sort de son chapeau. On est en 49 là? Ouais, on est en 49. Ok. Oh! Ça c'est alors... du score. On la ferme sa gueule, hein? Bon bah alors là. Et bah là, on est un peu avant. Sachez-le! Le Pytown Café. Non mais là on est en 1930. Oh la caisse devant elle. Ouais est... non la caisse c'est encore plus avant hein. Elle est catastrophique la caisse devant là. On est en 30. Oui mais regarde. Faut être une merde c'est pour c'est avoir c'est une voiture pareille. C'est la caisse importante. Ouais. Et étant donné qu'elle est deux, on est en pleine période de transfert. Donc je dirais 1931. J'aurais dit un peu plus tard. Mais bon on va laisser. Tu peux dire ce que tu veux. Moi je suis un expert des dates. Là je suis pas. C'est en noir et blanc aussi, faut s'en souvenir. Hein. Pas clair dans ma tête là. Ça veut rien dire. Hein. Bon allez, il fait l'expert l'autre, mais lui son 31. 1931. 32 pour te faire chier. Voilà, j'en étais sûr. Qu'est-ce que t'avais dit toi? Tu dis pour moi c'est un peu plus tard. Là. Enfin bref. Ah oh bah super, ça aurait été 1980, il aurait dit, j'avais raison, j'avais dit plus tard. Oh, oh le Ah, le sound effect qu'il a depuis 10 ans. Ils auraient dû mettre cette photo là juste. Comme mais ça. Oh, hey, oh. Et là, c'était pendant la crise. Ah, qui fait qu'il a acheté. Mais non, c'était quand il a reçu des. Oui, des joueurs de foot. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est justement et qu'il parce que. Il y avait la grève. C'est et bon, donc, c'est pour ça qu'ils avaient acheté McDo. Hein. Après non, Covid, moi je dirais avant Covid, 2019. Ah, avant COVID, évidemment, c'est avant Covid. Disons 2019. Ouais, disons. Je pense que c'est pas mal 2019. Ouais, 1931 pour moi. Oh là 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 là. Oh le tout pile. Bon bah alors là, on redescend. Hein. Mesdames, messieurs. Et ben alors.
Nous sommes en... Il y a une date ? Oh la vache, attends, c'est ses yeux qui sont... Oh, il fait extrêmement peur. Attends, mais il y en a deux, il y a le même à gauche, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas à être écarquillé comme ça. Alors là... Est-ce que là, c'est pour fêter une fête américaine classique ou c'est des gens qui reviennent de la guerre ou qui en partent ? Ouais, je dirais que c'est la même époque que tout à l'heure, là. Putain, le truc qu'on a eu tout à l'heure. Genre après... 48 ? Ouais, non, ou dans 49. Les années autour de 35, genre. Je m'imagine pas ça après 40 en tout cas. Les là, manteaux, les blousons, hein. Je dirais les 1934. Manteaux, ouais. Ah, tu vois le chapeau là ? Les chaussures, les très importants, les chaussures. Ouais, mais ils ont tous des blouses. Ah bah ça, bah, je disais, c'est des godasses de 1930, donc 1934. Oui. J'acquiesce. Oui. Ah ben voilà. J'étais très en retard en même temps pour l'époque. Hein. Excusez-moi, mais. Non, mais pas de quoi se froquer à cette époque, ah bah putain. Bon, c'était un score pourri. Putain, sérieux. Hein. Ah, faut 3000. On a fait 3000, des... c'est pas catastrophique, 3000. Mais ouais, bon, mais bon, quand t'as goûté à la frappe du 4000, bon. Ouais, quand t'as eu 4000 une fois, putain. Bon, bah alors ça. Alors. 1912. Café Alpelmo. Quoique, non, c'est peut-être. Bah, tu sais, c'est dur à dire. Hein. Là, ils ont des petits costumes. Guerre. Des petits costumes. Regarde la caisse. Peut-être. Regarde la caisse pourrie. Bah, la bagnole, caisse, elle est capotée. Hein. La caisse. Bah, là, elle est capotée, mais elle est capotée. Donc, en vrai. Ouais, 1916 pour moi. Non, tu es trop tôt. Tu es trop tôt. Alors là, excuse-moi, mais t'es malade. 1925. On est. Ah oui, je suis plus sur les années 1920. Alors là, oui. Dommage, c'était 1923, mais c'est bien. Ah, vas-y, Thomas. Écoute ton cœur. Bon. Ouais, 1930. Ça reste. 140 points, on les prend. C'est... on les prend. Ouais, je vais fermer ma prend. Gueule. Oh, bah alors là. Oh, bah tiens. Je savais pas que c'était au front, ça. Les toutous. Avec tous les chiens. Putain, ils sont trop mignons, les clébards. Bon, ça, c'est deuxième, par contre. Allez, 42. Alors, est-ce que ça défile avant la guerre ? Donc on a ah oui ou pendant 38 tu vois genre avant est-ce qu'ils ont de l'espoir c'est les Allemands ça vraiment je vois pas un défilé de soldats à vélo avec des clébards oui j'avoue moi, c'est quoi l'événement c'est, là c'est Domingo moi, c'est qui fait un truc là première guerre mondiale on est en 1938 c'est un live de... c'est un live de Domingo ouais allez on suit l'armée avec les chiens engagez-vous pour moi on est en 38 voire 39. Je reste sur mon 42. Oh putain, vous me faites chier. Non, on est en pleine guerre donc. Ouais. Là, ils ont le temps de faire ça, là. C'est la guerre, on défile avec les guerres. Bah écoute. Il y a un temps pour tout. 40, 40 début de guerre, ça va. Après, t'as peut-être bien, raison, ça, le coup de. Écouté, hein, mais... J'avoue qu'il y a une guerre mondiale, non, il se tape un coup de vélo. J'aime bien, bon. l'idée avant la guerre. 36. Juste avant, pour moi, on fait défiler l'armée allemande juste avant la première guerre mondiale, on est en 38-39. Ah, la première du coup. Deuxième. Ok, vas-y, je mets 39. 36. Putain, merde voilà. Bien joué. Et voilà. Merde. Il a raison, hein. Il a raison. Ouais, hein. J'avais raison. Oh, Joe oh. Eh bah alors, c'était avant que les dossiers de ton fils leak, hein. Je reviens de l'île d'Epstein. Je n'ai pas la ref de cette photo. Alors là, c'est récent, hein. Par contre. Alors, attends. Est-ce que c'est récent peut être un piège. Post-élection. Est-ce qu'il est président ou pas ? Est-ce qu'il était populaire avant le Joe ? Si surtout ça. Président, il serait pas là, il y aurait du monde autour de ouais. Lui. Genre là, il est. Oh, pourquoi t'es là ? Détrompe-toi, il est très proche, hein. Il est très proche des gens. Hein. Ah oui, trop parfois. Donc je pense que. Ah, je sais pas s'il était populaire avant en vrai, Joe. Bon, il porte quoi là ? Ah, de la merde, hein. Sapé, là. De la merde, hein. On sait pas, putain. Allez. Quoi ? Non, rien. Et voilà, encore un troll de ce petit farceur de terrain. Attends, c'est un personnalisé qui t'a fait ? Je l'ai trouvé sur YouTube. C'est une catastrophe. Il aime trop ça. Hein. Ah, pardon, on reprend. Ah, attends, il y a Emmanuel. Bon, attends, Emmanuel Ahmed, elle me dit, ça a l'air d'être la comédie musicale Hamilton. Mais faut voir quand est-ce que ça... Bah, regarde, c'est du coup. Bah, je sais pas, je dis... Regarde quand attends, c'est. Vas-y, triche. Regarde quand c'est. C'est nous qui jouons, elle a le droit de tricher, elle.
Donc faut voir quand est-ce que ça s'est produit avec le cast original. Là, on a le bon Hugo Délire qui dit les termes. Putain. C'est Pota qui est venu juste pour mettre la soundboard. Là, je sais, mais je me demandais d'où ça venait. Ah, c'est un youtubeur qui fait... C'est pas pourquoi il analyse des... Des clips Twitch, ouais, voilà. Ah d'accord, ok, et il les commente, ok, ça marche. Voilà. Du contenu, moi, quoi. Je dirais qu'il était pas président. Voilà, je dirais avant... Oui, pour moi, il est pas président, c'est pas possible. Mais il est vieux. Mais il est vieux. Mais il est déjà vieux, donc. Bien vieux. On est en 2018. Tu sais quoi, j'aurais dit même 2017. Ah, attends, avant la confirmation. Attends, vas-y, donne un ordre. Première représentation en 2015, mais après, ça continue à se produire. Donc c'est après 2015. Ouais, s'il va les voir, c'est qu'ils ont fait plein de représentations. Ils ont fait. Vas-y, 2017 alors. Elle me dit, ça a l'air d'être le cast de base. Bon, Emmanuel c'est... Elle avait raison. Bah merci. Putain, il est allé les voir direct. Quand même. La classe, Joe. Oh, alors ça, oh, là, 90. C'est les fringues parfaites. 80. Ah, oh, peut-être 80, même avant. Les gars. Non, ouais, 80, ouais. 80, ça, espèce de malade, va. Putain, le canapé de merde. Fils de pute, je te déteste. On est fin 80 là. Attends, regarde on la canette de coca. C'est un bon indice ça. Oui, la canette de coca elle est un peu vintage. Mais les gars, on est en 88 là. Mais évidemment. Les gars, ma proposition comme ça après je suis. Ouais. Non, je pense vraiment à 88. Écoute... Genre, je mets 2 ans en moins. Écoute ton cœur, Thomas. L'écoute pas ce connard. Mais toi, tu dis quoi dégueule, hein. 86. Bon, je fais exprès pour faire un entre-deux. Eh ben voilà, j'avais raison. 90 au début. Oh, pas la mienne. Mon père il avait pas la classe comme ça dans les années 92. Comment ça, il était déjà vieux? Bah non, mais il avait un look de merde. Quand je vois les photos de quand je suis bébé, je suis putain la tignasse. Attends, c'est un clochard qui me tient dans les bras là. Oh, alors ça, 60-70. Vous savez oh, qui la caméra. La caméra. C'est Gorbatchev. Ah bon? Eh ben, le bon Gorbatchev. T'es sûr de ça? Les bonnes caméras là. Plus de paroles. Tout le monde est en train de dire c'est Boris Yeltsin. Eh ben c'est les gars, je l'ai, c'est Van Helsing. Voilà. Alors on est en. Les gars, c'est Klaxon. Klaxon. Bon bah c'est mythe pain. En vrai, les années 70, j'avais. Ouais, 72. Bah vu le look de la meuf en fait avec sa veste en rouge et l'autre avec son petit non, chapeau. Non mais comme Thomas a dit, regarde la caméra de merde. Ouais, 70, ouais, c'est 70. Et surtout les caméras là. Allez, 72 je dis moi. Allez. Bah ben voilà. Ouais, bah c'est nickel ça. Bah c'est nickel ça. Allez, c'est top, on a ruiné la game. Allez, on en fait une dernière, il faut faire au moins 3500 sinon c'est la honte. Hein. Oh, on est où là? Yeah, one kill shop. Nails Palace. Pampan. Pampan, ça m'évoque quoi ça? C'est, en tout cas, c'est récent. De la Carlsberg. Ouais, fais voir le look. Les gens ont l'air bien sapés, à peu près. Ouais, c'est sapé comme 98, en 2010 là. Ou plus. Hein. 2014. Non, ah, 2016. Aussi récent. 2010 en ouais, tout cas, si. Bah oui. Ah, c'est vrai que là, c'est une photo ultra nette. 2016 pour ouais, ma part. Ouais, regarde la bagnole au fond et le look des gens. C'est plus de 2010 ça. Ah oh, ouais, même 2012. Et encore, j'irais même jusqu'en 2015. Moi j'ai dit 2016. Eh bah 2016 alors. Il a été trop 2015. Loin malheureusement. Il a été trop loin d'un an. Alors que 2015. Vas-y, mets 15 Thomas, vas-y. La petite souris qui bouge là. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh bah tout le monde a tort. Eh ben voilà. Ouh, le vieux McDo de merde. C'est les années... Putain, 2000. Dur. Les années ah non, 2000. J'irais pas... Non, j'irais beaucoup avant 2000, là. Hein ah, oui. Théma, il a un garçon haut, lui. Là, pour moi, c'est les débuts des années 90, foire fin des années 90. Non, t'abuses. J'abuse pas, je te jure, regarde-moi le grain de la photo. Le look Théma, la gueule de la banquette, là. Ouais, j'avoue, la banquette aussi, là, c'est tout dur, ça. C'est du plastoc avec du molletonné au-dessus. C'est peut-être juste un vieux McDo, hein. Il est dans son jus. Hein. Pour moi, là, on est dans les années 90. Je saurais pas dire si c'est début ou fin, mais c'est les années 90. Faites ce que vous voulez. 96, vous inquiétez pas, c'est 96. Ok, bien joué. Ah, c'était un peu avant, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. En deux photos, c'est pas mal. Oh.
Oh la vache, si je viens de péter en même temps. Oh, je l'ai aussi à la maison. Connecté. Bon bah ça, c'est récent aussi. Ouais. Bah c'est Domingo encore hein, qui nous fait un événement. Ouais, c'est l'uniforme... Allemagne nazie. Bon, 2010 c'est au pas moins évident. 2010 c'est pas au évident, moins hein. Franchement, c'est pas évident. Une bonne c'est qualité 2015. La photo. Pour moi, c'est avant. Genre. Ouais, moi aussi. Ah, 2010, 2012. En fait, est-ce que vous voyez un truc qui vous donne un indice sur cette photo, genre vraiment? Bah non, si bah, ça se trouve, c'est même 2018. La photo, c'est tout. Les chaussures hein. Des gens. C'est quoi qu'il y a là au-dessus là? Pas évident. Hein. On dirait des gros scratchs enroulés. Moi, je dis 2012. Ça, c'est quoi ça? C'est un caddie de vieux. Quelqu'un ah, mort. Un caddie de vieux, c'est tout. Ouais, non, c'est pas clair. Bon. 2015. Il veut 2012. Mais il peut, ouais, hein, ça peut être 2012 aussi. Hein. C'est 2013, voilà. Putain. M'écoute Putain. Jamais. M'écoute jamais. Putain. C'est bon, vraiment, la game est bien là. On peut. On est en sous dans les années 60 là. Alors là, le style des gens, le grain de photo. Le truc Christmas, y'a pas une année en haut à gauche là? L'affiche. L'affiche Christmas était dessus. Ah non, y'a pas d'année. Joyeux Noël 1961. Personne dit l'année. Ah ouais, c'est vrai. Bon. 80. Moi je pense que ça me fait penser à Retour vers le futur. Ouais, peut-être mais même non, avant. Non, hein. Ça c'est... Mais non, c'est les années 60 ça, 80. Avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Théma, comment elle s'appelle? Comment il dit ça? Théma la vioque. Théma, il là... met sa cravate pour aller Attends. Acheter des trucs de Noël. C'est en quelle année qu'ils vont dans le premier Retour vers le futur? Oh, les années 50, je crois. 50-60. Tiens, Terra, je te réponds. La vache. Waouh. Le... Oh, je peux pas m'approcher du micro, je peux plus. Non. Oh, le non. Bruit, plus en dire le prêt. Bruit de fou furieux. Et il parle là-dedans après. Hein. Il se le porte à la bouche après. Hein. Je peux plus approcher. Ah, mais le son de dingue. Je te jure, j'étais dans une séance Avatar 4DX. Je vous laisse choisir pour celui-là. Je vous laisse choisir. Oh le crispy. Oh putain. Bah dans tous les cas. C'est incroyable. Le crispy. Dans tous c'est les incroyable. Cas, bon... c'est on incroyable. On revient 62. Allez, bah je allez, si tu veux. Ça fait rire. Si tu veux. On est en 65. Ça sent bon, hein. Voilà. On est en 65, écoute. Ah bah on y est là. On y est. Moi je dis vous êtes trop gourmand en 57, mais enfin bref. Putain, tu peux pas être d'accord. Ah ben j'ai un ventilateur qui me détecte le taux de particules. Depuis tout à l'heure, il était à 1. Depuis que j'ai pété, c'est monté à 4. Il y a le compteur GGR qui s'affole. Pour que tu comprennes, si je fume dans ma pièce, c'est 300. Ah, c'est, c'est comme si tu fumais une... Il y a 4% d'une cigarette dans tes pets. Ouais. Ah, pété-tu, hein. Oh la vache. Ils font quoi? Alors là, Tu regardes des plans et des caméras. Bien, la réelle de la réelle de la Zilane là. Bah, tu m'étonnes que le stream a fermé. Regarde la gueule. Là, et... bah Rizzo, ce connard là. Menro. Nous met en rouille. Il y a l'affiche Free Agent là de Max Hildan. Bon bah alors ça c'est de la vieille réelle. Hein. Ce qu'ils font. Ah, les spots ils sont malades un peu ouais. Ah, ça me fait penser. Ils sont de surveillance, ouais bon, voilà, mais ça me fait penser à un truc météo aussi genre et bon le matos là c'est au moins début 2000 quoi, début 2000. Genre les écrans ils sont, vous voyez les écrans, ils sont. Ouais, mais... C'est les écrans sur lesquels je jouais à CS plus jeune. Là au cathodique là je dirais ouais vraiment fin 2000, avant 2010 en tout cas ouais. 2007 ça me paraît 2007, pas déconnant. 2007 c'est pas mal. Voir ouais. 2000, excuse-moi mais je dirais même 2009. Oh t'es gourmand là. Ah j'étais gourmand avant. Non c'est vrai. Coupe la poire en deux, Thomas. C'est quoi ta poire? 2008, tu mets 2008. Ah bah voilà. Eh putain. Ah. Eh bah voilà. Ça reste pas mal. 4248, hein. Et quand même, l'atmosphère de la pièce qui a pris moins 20 points dans la gueule. Ah. Eh bah voilà. Eh bah ça sort de partout. Allez, une petite. Ah, c'est dernière. Pas fini? Non, une petite. Une dernière, bon. Ils font un bateau. Alors quelle année faisait des bateaux? Putain. Pourquoi? T'as vu les mâles là? La belle mâle. Ah, je crois que tu parlais des hommes.
T'as vu les mâles? T'as vu la salopette? Waouh! Ils ont des chevaux et des charrettes. Allez, 1912. Ouais, on a. Il y a quand même des chevaux et des charrettes. Hein. Donc. On aura 1900. Je crois qu'on peut y aller. On peut même aller en 1900 là. 900, mais en vrai, ouais. En vrai, on peut être en 1904. On pourrait être surpris. Hein. On pourrait être surpris. Ouais, mais ils ont des bretelles. Ah, vas-y, ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute là-dessus, Thomas. Ça, les hommes ont arrêté de porter des bretelles en 1906. Ah, je suis peut-être dans la bulle là. Hein. C'est dur de. Ah non, t'es mal. Ouais. Là, quand je vois la gueule du mobilier, de la photo. Allez, vas-y. Je vois pas d'indice sur une voiture ou quoi. Je vois des barils. Fais-le. Attends, ils ont des barils d'essence, de pétrole ou un truc comme ça. Donc, quand même, ça roule. Ça roule. Ça roule. Donc, ça peut être 1910. Ouais, tu vois. Mais attends, là, c'est fin western, là, cette histoire. Regarde les roues du machin, là, du carrosse. Tu savais que les westerns se situaient finalement dans une époque bien plus avancée que ce qu'on pense. C'est-à-dire ? Bah, en fait, là où on imagine que les gens étaient à chevaux, bah, il y avait déjà des bagnoles. Ah bon ? Eh oui. Et d'ailleurs, les westerns, comme on les connaît, ne concernaient qu'une infime partie des États-Unis. Bon, il nous fait chier l'historien, là. Mais 1904, on n'en parle plus. 1910. Bah vas-y, alors. 1909. Eh ben voilà. Putain, 1905, bravo. Eh ben voilà. Nul. Droit dans le mur. Ouh, il y a pas de... Des pros des avions ? Bah ça, ça se demandait si ça volait. Hein. Quand on y a joué, il y avait des dates des fois, donc. Là, on est sur un biplane, moteur à traction à l'avant. Ouais, ça c'est avant Première Guerre. Hein. On est en 1912, ouais. C'est, j'aurais dit 1914, mais. Il est chier lui. 1912. Il bouge juste le cœur en fonction de ce qu'on dit. Et toi, t'as pas dit de date? Bah, moi, c'est 13. Eh ben voilà. Ok. Eh ben voilà. C'est pas un bon score pour l'instant. Oh bah, hein. C'est bien. Des meilleures photos. Des photos de fou. Oh putain, les crânes. Mais quelle vie, oh, merde. Les gros chapeaux là. 50. Déjà, c'était pas la ségrégation. Donc, ouais. Ça peut donner un indice sur. Oh, regarde le, militaire à droite là. Le chapeau là. C'est quelle année, ouais. Ça? Il nous revient... C'est entre la première et la seconde guerre, là. C'est quoi, son truc, là? Son képi et tout, à quoi qu'il y a les mecs, les marins qui sont comme ça, un peu. Oh, c'est je dur, dis 40, c'est 47. Ouais, mais 40, ça peut être 40, hein. Mais un peu avant, je pense, quand même. Pendant la guerre? Non, en fait, putain, ils ont clairement des looks de... Hey, les gars, on serait pas en 1955. C'est un cinoche, je regarde toute la merde qu'il y a par terre, il y a du popcorn et tout, là. Ouais, quoi qu'il fume, le mec. Ouais, mais... ça, en fait, ils ont des looks de 1950 et quelques, voire début 60. Allez, 1958. Je dirais pas d'autre chose. Je trouve que t'es trop gourmand, mais... 58. Ouais, là, je vois la gueule des... Moi, je serais resté avant 50. Des chapeaux et tout. Ah ouais, moi, j'étais en mode 49, genre... Ça peut être 49, vous savez, je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je trouve qu'ils sont vraiment historiens, ils sont dans un look, Théma, je sais pas ce que je dis. Genre, c'est... Ouais, mais regarde le sac à main. Attends, qu'est-ce qu'elle mange ? C'est tard, hein. Cracker Jack, c'est quoi cette merde là ? Oh, regarde, ça fait vraiment Cracker marque Jack. De 1940-1950, ah ouais. Quand même ça. Ça, c'est de la vieille marque de guerre, ça. Hein. Vas-y, tente le 49. On est en 54. Il nous fait chier. Vas-y, next. On est en 54. Eh ben ça. Voilà. Putain, c'était combien 42. Bah c'était 49. Ah, c'était, c'était vachement tôt, putain. Putain. Aïe, aïe, aïe. On est pourri, là. Ouais. Alors là... Jesus is calling The Young. The Young. Peut-être après, du coup, 50-60 aussi. Regarde le pas de def. Du gosse. On est en train de tout lire. Ouais, wow. On est en... Wow. Donc on est en fin 1960. Début 70. Putain, il est chaud. Allez, 66. 68. Ouais, je regarde un peu. Ouais. On est en 2020. Malheureusement. 68. Bingo. Oh, pas mal. Pas mal, mais... Ouais. Merde. La dernière, faut que ce soit... Oh, Bill. Oh, c'est qui, ça? C'est Bill Clinton? T'es sûr? Avec le soleil, je vois pas trop. Ça a l'air d'être Bill, non lui, quand même, hein. C'est lui. Ah bah, c'est lui, il y a sa femme. Avec avant de se faire sucer sous le bureau, et dis donc. Et à gauche, c'est qui, là? Avant? Moi, je dirais après, non? Attends, c'est quelle année, Bill? Pourquoi il y a Docteur Disrespect à gauche, là?
C'est ça le problème, c'est que Bill Clinton, c'était il y a longtemps quand même. Et la photo, pourtant, on dirait une photo des années 2000. C'est étrange, non? Clinton, c'est début 2000. Hein? Non. Non, c'est avant. Pas au du début, tout. C'est Bush plus. 2000. Ah oui, oui. Non, Clinton, c'est avant. Oui, oui. Mais elle a des années 90, Bill Clinton. Mais le problème, c'est que la photo, elle sent les années 2000 plus. Disons 97, genre. C'est possible. Alors, disons, j'en sais rien, quoi. C'est possible. Tu vois, personne n'a un smartphone. Regarde l'appareil photo qui se tape à droite, le machin, là. Ouais, il est peut-être vintage, le mec. Non, ouais, c'est que des appareils photo. Ouais, c'est les années 90, du coup. Allez, 97 pour la part. 95. Bon, bah. Toujours 2 ans de différence avec Hugo, c'est important, sinon... Ouais, et après, j'ajuste à 96, du coup. Et voilà. Et hey voilà. Putain de merde. Mais on se tape tous à la main, écoute. Oh. Chier. Ah oh, putain, nul. Une dernière, allez, on en parle plus. Dernière. On va en faire une. C'est une dernière. Ouh, tu les sens la fin des années 40? Oh, sexy lady à gauche. Mettez-moi ce nez dans ma culotte. J'avoue, ça n'est pas à modeler. Hein. Allez, bon, 48. Là, c'est des dames, ouais, 1950, c'est les années 50. Bon, il nous fait 40-50, mais il y a des dames au bar. Hein, c'est... Non, je suis d'accord avec toi, là, ça peut être 48. Non, mais je suis pas... En fait, putain, mais c'est des... Putain, ils ont des tronches, quand même. Ouais. 51. C'est que des personnes, voilà, c'est gros mythes. Ça se trouve, c'est des personnes âgées qui s'habillent encore comme dans leurs années, mais le mec avec la casquette derrière nous dit 1-1-1. On est plus tard que ce que vous croyez. C'est juste que là, les vieux au premier plan, ils s'habillent encore comme il y a 10 ans. Ouais, mais c'est peut-être un marin. La casquette, elle me saoule. C'était un marin. Bah, la casquette me dit que c'est un voyageur du temps. 48. C'est un marin, lui. C'est un marin. Ou un fêtard. Ou un pizzaïolo qui s'est trompé. Ou un juif qui a une grosse pipa. Ils avaient pas ma taille. Ouais, vous voulez quoi? 48. Bah, ouais, 48, je suis d'accord. 48, ça me va. Oh là 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 là, dites-moi merci. Dites-moi merci. On se sert à la vite, mais j'étais d'accord avec toi, mon gars. Ouais, j'espère bien. Oh putain, Lakers. Oh, non. Les Lakers, Michael Jordan. 90. Tony Parker. 90, 97, comme tout à l'heure. Époque Bill Clinton, sûr. C'est vrai que c'est ouais, fin 90. J'aime bien fin 90. Regarde le logo Motorola. C'est entre 95 et 2005, c'est sûr. Regarde les gens dans le public, on est en 97 là. Hein. Regarde-moi ça. Ouais. Ça sent les années 90. Il y a que des blancs qui regardent le basketball ou ça se passe comment? J'avoue que. Oui. Là, c'est le, c'est le cast du The Event. Hein. la flashbang. Vous avez dit combien? 97. Ouais, 97. Mais c'est peut-être plus proche des 2000. Non, t'inquiète. Ok. Non, oula, t'es en train d'augmenter pour rien là. Et voilà. Proche des 2000, ouais. Putain. Oh. Alors. Ouais, regarde les accoutrements. D'info. Ouais, comment sont-ils habillés premièrement? Ça, c'est. Alors, c'est soit c'est un pays qui 2000. S'habille comme des plus de merdes. 2000 en tout cas, mais combien 2000. Il n'y a pas de smartphone dans les mains, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'affiche pour un film ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne prends pas. Ouais, j'avoue que tu vois personne sur son téléphone. C'est 2000. C'est étonnant quand même, personne sur son téléphone, non Le logo McDo aussi qui est vieux, 2004. C'est vrai que c'est vieux là. Non, mais avoue que c'est pas normal, ouais, personne les sur téléphones, son smartphone. Les téléphones, c'est bizarre, ouais. Ouais. Donc là, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. C'était pas démocratisé. Donc c'est avant. Peut-être même 2002, ouais, genre. C'est... Je regarde les logos, voir s'il n'y a pas les vieux logos. J'ai vu que celui de McDo. Il n'y a pas d'indice, tu vois. Il y a marqué Mini Prod FR. C'est 2002. C'est vieux, hein. Il y a marqué John bon. L. Ouais, attends, il y a une pub pour des DVD. Ouais, 2002. 2002. Ah, 2002, j'aime bien, c'est sexy. Hein. Putain. Waouh! Ils avaient des téléphones en 2009. Il n'y a pas de téléphone dans les mains et tout. Attends, c'est à quelle année que l'iPhone 3GS il est apparu? J'étais au lycée.
Moi aussi, j'étais... Non, moi j'étais... Mais non, tu peux pas être au lycée. Moi j'étais fin collège. Enfin, début dans le collège, dans le lycée. Attends, ce serait si tôt le 3GS? Ah, peut-être avant. C'était 2007? Ah, bon! Eh oui. Ok, c'est... Ah bah oui, si on avait su cette info. Donc là... j'étais pas du tout au lycée, par contre. Ah non, t'étais... Ouais. C'était enfin, avant. Ah ouais. Oh, tu es une vieille personne. Bon, allez. Oh, bonjour, messieurs. Your bonjour. ISIS. Voilà. 2000 non, merde, 1912. C'est des... Faut savoir que les mecs vendaient de la glace, donc on est vraiment en quelle année, là? C'est un business de fou, hein. Anglo... Quoi? Anglo-italienne? Anglo-italienne, ouais. Anglo-italienne. C'est de la pure ice anglo-italienne. Hein. Allez, avant 1915. En vrai, quand ça vendait des glaçons, c'était il y a très longtemps, quoi, non? Avant? Ah, je sais pas si c'est avant, en fait, c'est ça qui me fout le doute. Mais c'est juste que j'ai l'impression que vendre des glaçons, c'est un bail antique. Mais oui, c'est vieux, c'est vieux. Bah, genre dans. Justement, dans l'époque Cowboy et tout, ils en vendaient déjà. Donc. 1914-13. Toi, tu as regardé le film comique, le western. C'est quoi? Où il se fait écraser par un glaçon géant. Non, je vois même pas de quoi tu parles. Hein, ah mais bon. Moi, ma seule rêve, c'est toujours Retour vers le futur. Ils sont dans la Lego Cowboy. 1900. Ah, putain, c'est tard. Ah, quand c'est même, tard, ouais. Ok, négocier. Moi, je dis 13. Moi, je dirais 1915 quand même. Mais bon, entre les deux, alors 15. Oh putain. Putain, c'était 22. Hein. Ah, vache. Non, on vend de la glace en 22. C'est toujours un bon de la glace en 22. Oh, on y est encore dans ces années 90 qui nous manquent. 90. Ouais, là c'est le mec en short orange qui m'avait dit que c'est les années 90. Regarde-moi ce petit look là. On serait même peut-être pas sur la fin des années 80 et c'est juste possible, début 90. C'est grave possible. Ouais. Parce que c'est dur à dire avec des maillots de bain en fait. Ça a toujours été coloré et. Faut juste regarder le look des adultes. Et quand je regarde le look des adultes et le grain de la photo, je me dis. Oh, 1989, 1980. Il se touche la bite. moi, je pense aux années 90. Ouais, mais lesquels? Moi, pour moi, c'est le tout début dans ce cas-là, si c'est 90. Non, non. Moi, je dirais avant 2000, genre 97. Ah ouais? Ah ouais? Toi, t'irais à ce point-là? Ah ouais? Le correct. Quand tu vois le mec avec sa sacoche, t-shirt rose, petit Bermuda. Où ça? Toi, tu te dirais, bah là, qu'on voit sous. Ouais, 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 clairement. Pour moi, il est en début 90, ce mec. Ils me font penser, en fait, ils me font penser à des gens que j'aurais pu croiser à la piscine quand j'étais gosse. Donc, Pour moi, on est en 93. Bah, je suis 80. D'accord, pour moi, on est plus au début des années 90. Hein. Faites comme vous voulez, vous dites n'importe quoi. Attends, mais, ouais. Voilà. Putain. Oh putain, il avait raison. Voilà. Je fais chier. Voilà. J'ai non. rien à ajouter. Sérieux? J'ai rien à ajouter. Cette photo de merde aussi là. Putain, on avait quand même fait un bon score. C'est quoi notre top score? Ah ouais, putain, on a dû faire 3400. Ah bon, même pas 3700? 3400, un truc comme ça. Fais submit jusqu'à la fin pour. T'as le meilleur score qui est affiché. Dans la homepage avant de lancer une game. Ah. Encore? Y a pas. Ah, 4190. Hein. 4190. C'était. C'était ce soir, pas ça mal. Ou ouais. C'était. Ah bon. Je crois, hein. Non ouais, je sais pas, moi, il y a marqué. J'ai une commande chrono qui me dit meilleur score 4190. Ah, est-ce que ça a été mis à jour ou est-ce que c'était un c'est vieux score? C'est peut-être quand la vous game aviez qu'on joué. Fait hein. L'autre fois. Si, si. Le chat dit 4240. Bah non, ce serait marqué. Ouais, ce serait marqué. Ouais. Bah, je sais pas du coup. Voilà, du coup, okay. Conclusion, faut m'écouter plus souvent. Bah, conclusion, point d'exclamation Redfall. Bah, on n'hésite pas. Cliquons. Tout ce qui reste là, on prend. Bah, c'est top. Hein. Bah, chouette. Bah, dimanche. Hein. Oui, bah, oui. Et oh, Thomas, au revoir. Salut, Hugo. Au revoir. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et à dimanche. Sauf Hugo. Exactement. Sans Hugo. Allez, salut tout le monde. Hugo. Au revoir. Au revoir. Ciao. Je les déteste. Je déteste ces mecs. Des merdes.
un emploi douté des immondes merdes. Bon bah les gars, essayez de recliquer une dernière fois quand même, parce que je vous rappelle qu'Avamine va manger Gucci grâce à moi pendant 3 mois. Ah, aïe 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 aïe. Bon, c'était sympa quand même. C'était sympa tout de même. Les gars, pour ce qui est prévu pour le reste des événements de la semaine, encore une fois avec moi, vous savez. Hein. Vous savez, mais normalement, je dis bien normalement. Merci Tom pour les 3 mois. Merci pour tous les subs d'ailleurs, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Normalement, vendredi, je crois que Théo, il voulait faire du club pro FIFA. Donc il y a moyen qu'on fasse ça. Peut-être demain un truc. Sinon, vendredi, club pro certainement. Et puis bah samedi, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce qu'on fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'on fait. Ah bah VCCB, vous avez compris. Par pitié, reviens demain. Ouais, mais je sais pas quoi faire. Et puis demain, j'ai tennis en fait le soir, donc je vais être complètement éclaté, je vais avoir aucune énergie. C'est pour ça que le lundi et le jeudi, c'est pour ça que je stream pas, c'est parce que je suis mort quand je rentre. Suite MGS. Non. Sever Rush semaine pro. Lilian, je reconfirmerai au prochain stream, parce que faut que je vérifie quand est-ce que Supercon il rentre. Ah, il y a Euro 5, c'est vrai. Ah bah oui, avec Jean. Eh oui, putain. Eh oui. Ah ouais, putain, j'avais zappé ça. Écoutez, je vais en parler avec Jeannot. Et puis je lui demande. Hein. Y a un petit jeu d'horreur qui s'appelle Chill Street. Ça me dit rien. Non mais des jeux d'horreur, vous inquiétez pas, j'en ai en stock. Il y a juste à... Si on veut faire un jeu d'horreur, on peut. C'est clairement pas ça le souci. J'ai une liste longue comme ma bite de jeux d'horreur à faire, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc on a ce qu'il faut de ce côté-là. Après, il y a Béton Brutal aussi que faudrait peut-être que je termine. Zelda, tu vas le faire? Alors, oui, le jour de la sortie. Parce que franchement, je comprends pas comment des gens peuvent y jouer en ce moment-là. C'est n'importe quoi. Hein. Jean a dit qu'il fallait pas compter sur lui pour fin mai. Ah bah ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse au moins un stream sur RO5 quoi. Bon bah je vais lui redemander et je vous en reparle. Dans tous les cas, pas demain, ça c'est sûr. Merci la Gobs. Pas demain, ça c'est sûr. Et vendredi pour sûr, certainement Club Pro, sinon autre chose hein, avec la Caca Box. Mais voilà. Je vais remercier les subs quand même. Je sais plus est-ce que je m'étais arrêté. Merci Jojo pour les 5 subs encore. Merci. Merci Etnaus. Merci Edgar, Chirouz, Honor, Baya, Valsayan. Attendez, je vais mettre une autre musique quand même. C'est bon, la Lofi Chill, on a compris. Ah bah tiens, Tequila Tex. Merci Garmo, Sao, Adri, Frinitix, Lucky, J'oublie, Bilex, Praxis, Un Homme, Wow Le Wows, Soitinak, Zabi, Zetlas, Jugor, Iris, Bad Trips, Méduse, Granitz, Urak, Joe, Ejo, Eromit, Bolton, Amgarf, Liga, Sotaku, Bros, Cybernaut, Cario, Uni, 130, Archie, Lucriminel, Kenja, Sharky, Gibbs, Eden, Nokra, et puis les autres, je les ai remerciés. Hop là. Bon, je vous laisse avec Tequila Tex. Merci encore une fois, les gars, d'avoir été autant, c'était très cool. Et puis on se dit à vendredi, du coup. Hein. Allez voir Sir Thomas en attendant. Vous lui ferez des bisous, d'accord. Vous lui ferez des bisous. Allez, salut tout le monde, et à vendredi. Merci d'avoir été là. Passez une bonne soirée, l'équipe. Salut la team. Ah, ça fait plaisir.